can make clothes Oui. On va parler de mon sujet favori. Attends, mais on... c'est une présentation de. Oh, oh, vas-y mon amour. C'est une présentation du studio SF. Qu'est-ce que le studio SF offre? Le studio SF te permet d'enregistrer ton propre podcast, mon amour, comme tu fais. Et <laughs> yeah! comme nous faisons ensemble. Yeah! Ça a changé nos vies. Oui. Nous, on avait comme un side project pendant la pandémie. Puis là, il y a du monde qui nous ont reconnus en train de déjeuner à Québec. Ah ça c'était cool. C'était cool. Les gens sont très gentils. Bonjour à tous. Il y a un plongeur qui m'a reconnu. Jusqu'à présent, les gens qui nous reconnaissent sont quand même aimables. Oui. On n'a pas encore eu droit à euh, quelqu'un dans les commentaires de sous-écoute qui t'aime pas. <laughs> Le gars qui dit que je suis une grande lesbienne, il est pas venu me parler. c'est mon préféré. Grande lesbienne, c'est mon préféré. Et moi, si tu savais que je suis une trophy wife... Mais c'est vrai, c'est vrai, ça. J'étais vraiment... Je pensais pas que j'étais belle niveau trophy wife. Oh oui. Merci, monsieur. Oui, et tu suces niveau trophy wife. <laughs> oh c'est ce ben, bon, c'est bon. Merci! Je t'avoue que. Moi, je me suis souvent posé la question de savoir si j'étais bonne dans C'était excellent! Ben, merci! Excellent! Oui, je trouvais ça stressant! Mais ça, c'est ton CV! trop de bave, pas assez de bave, la main, l'autre main, tu fais quoi? cest quoi? Ouais. Ton ben souci? Merci, de... je, comprends. je suis heureux de ton souci de performance! Ah! <laughs> Je suis vraiment content. C'est une performance de <laughs> grand. Je suis content. Mais c'est parfait. Donc, c'est une commandite du studio SF ouais, cet épisode. c'est ça, le studio SF. Je suis content. <laughs> viens au <à> studio SF. <laughs> Steph va être là. <laughs> vous pouvez me croiser. Vous pouvez croiser Tom. Hein. Mais vous préférez croiser Steph. <laughs> mais ouais, si vous voulez lancer un projet de podcast, c'est l'endroit idéal. Honnêtement, on est bien. L'éclairage est beau. Moi, oui. je tiens à dire ça, c'est pas tous les studios de podcast que l'éclairage est beau. Ici, tout le monde est beau. Je vois que quand on prend des screenshots de nos invités, après, tout le monde est beau, tout le monde est sexy. on se sent bien. Si pas beau, c'est ta faute. Ouais, le, Ou le, la faute ouais, de ta ça. mère. Le, eux, ils mettent tout gens. en place pour que ce soit le mieux possible. Là, mm -hmm. Le reste, ça arrange tout. Et. Fait que, euh, voilà. Merci au Studio SF. StudioSF.ca, si je me trompe pas. Ou juste, bien à Google quand même. Là, qui... Nico, de la tête. Voilà. Mais là, maintenant, on va parler de mon sujet favori. Après le studio. Oui, ton ex que j'ai. <laughs> oui <rire> Ton ex que j'ai eu il avait une passion, c'est laquelle mon amour? Il aimait beaucoup la lingerie. ça implique quoi, ça Ça implique que quand t'as 18 ans, <laughs> pis que t'as pas une calisse de scène, avoir un chum qui aime la lingerie, ça gosse. Parce qu'il ne peut pas te la payer parce que t'es un musicien pauvre. <laughs> les gens en veulent pas de sa musique. J'aimerais juste te le rappeler. J'aimerais juste te le rappeler qu'on peut se hey, moquer là, de lui. On était, on était au cégep dans le temps, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il vivait pas de sa musique, là. Puis aujourd'hui, là. Je sais pas. <laughs> je sais pas. <laughs> cégep, je sais pas, je prends pas de nouvelles. Je suis une bonne ex. Ah il vais... ah y, y a des gens qui nous en donnent des nouvelles. c'est des gens qui <laughs> le oh reconnaissent. C'est déjà que le reconnaissent. <laughs> hey, C'est-tu tel gars? Oui. On <laughs> va continuer à en parler. Ouais, mais ceci dit, il y a un autre gars que j'ai fréquenté qui m'a écrit et il m'a dit que ça faisait cinq fois que quelqu'un lui demandait ah, ça... si c'était lui mon ex toxique. Ah. À chaque fois, faut il faut qu'il dise non, c'est pas moi qui Ça me brise le cœur quand tes amants a de la peine. <rire> <rire> mon cœur en ce moment est en miettes y a un des là <laughs> qui vit sa rough. pour vrai tu Je me dis ça, ça difficile. pas dormi <laughs> pas dormi j'ai de la bon. peine mais excusé personnellement à cet homme là pour revenir à la lingerie. <laughs> Allez, on était aussi à l'époque pour se, 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 ram... se catapulter dans le temps à la belle époque de Victoria's Secret. Tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment des belles affaires qui sont en lingerie pour tous les corps, toutes les, les seins, les petits seins, les gros seins, tout ça. On dirait que dans le temps, si t'étais pas un C ou un D avec euh, une taille très fine, c'est sûr que à quelque part, il y avait un bourrelet ou que ça rentrait mal. Puis il y avait tout le temps du padding. C'est extrêmement, en tout cas, moi je trouve ça vraiment gossant parce que euh, quand mon chum me touche les seins, j'aimerais ça qu'il touche mes seins et non euh, un centimètre de mousse. Amen. Comme ça. <laughs> mais en tout cas, ça c'est des choix personnels. T'as pas senti que tu travailles, c'est pas senti. Chacun ses choix, mais je trouve que dans le temps, on était vraiment restreint dans le choix. Puis c'était aussi la belle époque des couleurs euh, particulières. C'est les années qui c'était si... C'est ça. La fin, c'est ça, la, la fin. Hey, J'ai de l'ingénieur mauve. Un mauve qui existe. Oui, nulle part dans ailleurs. la nature, il n'y a aucune Exactement. Fait que moi ouais, je trouvais ça vraiment rel Puis quand on est parti en appart ensemble, un mané il a voulu faire du lavage, il a tout collé à l'ingerie dans sa chaise, Puis là ben ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire que tu peux plus vraiment le porter après parce que vu que c'est du tissu très délicat, ça a tout ruiné ça puis ça m'a vraiment mis en crise parce que j'étais comme je dépense beaucoup de sous que j'ai pas, tu sais je veux dire comme la moitié de ma paye est passée sur chez Victor Secret puis là c'est ruiné. J'étais très fâchée. Fait Qu que Qu'est-ce que tu de faire aussi quand tu rentrais dans la pièce? <laughs> non, mais c'est arrivé une fois! Pas grave. <laughs> Vas-y, comment? Qu'est-ce que tu te demandais? Il m'a déjà demandé de rentrer dans la chambre à coucher à quatre pattes. Ce <laughs> que, que je comprends. comprends! Je comprends pourquoi c'est excitant. Je l'ai je... fait! Oui, oui. Je l'ai fait! Moi aussi, je comprends. Je sais comment okay, je vais le faire. Sauf que tu sais quest ce que j'ai appris par après? Moi <laughs> Si! À partir d'un certain âge, le genou enfant devient un genou adulte, <laughs> marcher à quatre pattes c'est vraiment difficile. Oui! Parce qu'on a comme des rotules qui sont pas faites pour ça. Puis je m'en suis rendu compte. Là, en marchant sur un plancher de vieux bois dans un 4,5 dans. Mais c'est quand même fou. Tu payes pour tout parce que t'es un pauvre. Non, 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 c'est pas vrai ça. Bon, euh, et là, là, ça, il faut okay. que je le dise. Mais ben là, Fafren, là. All right, le okay. tu, fais, tu te payes la lingerie. Ouais. Pas lui qui, qui t'a payé. Tu te payes la lingerie. Euh, C'était pas confortable. En plus, il faut que tu sois quatre pattes. Ça fait beaucoup. C'était. C'était. C'était beaucoup d'efforts. Ouais. C'est ça. Pis <laughs> je pense que mon item, le pire, que... le meilleur ou le pire, t'sais, ça dépend de quel monde tu prends dit, ça. Tu sais, parce que là, c'est ça, j'essayais toutes sortes d'affaires. J'y avais acheté, puis c'est mon co après qui a trouvé ça dans, ma, dans mon tiroir de sous-vêtements, puis il en revenait pas. Tu es homosexuel, il, il, il fait es es déjà, ça ouais. dégoûtant, C'était juste C'est comme. C'est l'apogée de l'esthétique fantasme de ton ex. C'était des bas euh, résilles qui arrêtaient à la jartelle, à la mi-cuisse. Noir, là, mais tu un beau noir encore, là, un noir teint, tu ben foncé. Puis en arrière, il y avait une série de boucles roses fuchsia là, sur le mollet qui montait jusqu'à la cuisse. Yes. On le voit. Ouais, on le on voit. Il hein. y a oui. une affaire que j'apporte à, à notre relation. Oui. Je suis facile à exciter. Oui. Pas besoin d'accessoires ou de. Je t'en remercie. Mais je suis content. Je t'en remercie. Parce que c'est pas que j'aime pas la lingerie, honnêtement, je trouve qu'il y a des beaux morceaux puis ça peut être le fun et tout ça. Mais quand c'est comme un fantasme important, ça peut de. En tout cas, moi j'ai trouvé ça lourdeau. Mais de l'autre bord, des fois, c'est fatigant parce que des fois tu. Tu sais, tu manges des pâtes. Ouais. Puis je rentre en pièce je fais Oh tabarnak. <laughs> ça va? Oui, parce que toi, c'est ça. Tout Mais je suis contente parce que ça veut dire que je t'excite. Je t'excite énormément. Mais c'est juste des fois, genre, je suis en train de me faire mon deuxième café, j'ai une réunion Zoom qui commence, puis t'es comme, oh, oh, wow, c'est un beau T-shirt, ça. Puis C'est mon T-shirt des Roadrunners de Montréal. Il est parfait, il est beau, on voit un peu tes seins dedans, des tits. J'ai un Zoom. Faut peux faire ça vite. Je peux faire ça vite. À quelle heure ta réunion, il y a moyen de moyenner. Fait que voilà, fait que voilà la lingerie. Aussi un mané j'ai essayé d'encourager en, une compagnie québécoise que je ne nommerai pas, mais j'ai mis la lingerie le matin. Je suis partie travailler. Puis là, je sais que des fois, la lingerie, c'est pas fait pour porter dans la journée. mais C'est juste fait pour... Non, c'est excitant, ça. Chiller. Mais c'est ça. Moi, je trouve que le but, c'est que quand en dessous, il y a quelque chose de... Oui, puis pendant la journée, tu peux montrer une photo aux toilettes. Non, c'est très excitant. Ah, wow, ça rock, oh oui. Ça, j'apprécie énormément. mais c'est excitant, pas encore présenté. Salut, c'est Joe Robert. J'adore tout ce que vous dites depuis le début. C'était C'est bon mot. Ah oui. C'était des bons mots Ouf, là. Dit, moi, Mais là, c'était pas de la bonne qualité. Puis le, le morceau se détruisait <laughs> sur mon corps puis la journée avançait. Mm. C'est pas pratique au pratique. Non 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 ça, non. non. Personne aime les déshabillés ficelles l'eau là. Voilà. <laughs> non 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 non. Oh. Notre invité, Jonathan Roberge je... Bonjour. Allez, salut. Hey, salut. je suis vraiment content d'être là pour de vrai là. Comment oui. tu te sens par rapport à la lingerie euh, Ben, moi ça dépend. Il faut que ben, moi, tout ce qui est objet sexuel, costume, whatever, quoi, ouais. super open, mais il faut que ça ait l'air de t'exciter. OK. Tu comprends? Si tu le fais pour moi, j'ai je, 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 un sentiment de culpabilité. OK. Tu sais, je, si quelqu'un fait comme, Hey, je me suis acheté un corset, puis moi, j'aime bien le look pin-up, tu sais, on se le cachera pas. Okay. J'aime bien, bien ça. Fait que, si, mettons, la demoiselle fait comme, Ah, j'ai acheté un corset, puis qu'elle le met devant toi, tu comme, « Oh mon Dieu, que je trouve ça sexy, mais que tu vois dans son regard qu'elle, que elle est elle, pas ça... bien. Non, pas qu'elle est pas bien, mais que. Ça me tourne pas tant mais toi, ça a l'air de te turner. »« Tu vois, non, enlève-le. Moi, c'est ça qui m'excite. J'aime. Ah, oh, tabarnak. Non, mais non. <laughs> non ce que t'aimes, c'est l'effort qu'elle fait pour que Non, non okay, qu sont pas bien. Ouais. J'aime le. ouais on Je yeah. <laughs> <laughs> fais. ça pour moi. <laughs> non, moi, c'est plus le. C'est un peu comme quand t'écoutes du football avec moi. <laughs> ah, oui, c'est ça. Ça m'excite. Comme je sais que aimes tout tu tout de ce que je comprends. Comment tu fais, Steph? Comment tu fais? Mettons, il est pas là. là a vraiment mal la chatte. Ah, tabarnak. Ah, mais fatigué, man. Non, mais euh, des fois, il faut que je dise, moi, je travaille. Là. Ouais, ouais. Enlève tes doigts de là. Je, je, je travaille. Il ouais, ouais, ouais. mm -hmm. faut aller faire l'épicerie. Ah, ah, il <laughs> faut qu'on vive. <laughs> Comme, hein. Mais, mais <laughs> le pire, oui, fait... c'est oh, mais la petite pleure. Oh, mais ah, Ça gars. fait ça, un bébé. <laughs> c'est normal, qui hein. chose qui arrive. Ouais. On l'endurcit, hein. on l'endurcit. <laughs> Mais donc, c'est ça. Ce fait que là, toi, tu as envie que, que tu sentes qu'elle tripe elle aussi. Un ouais, coup, dans il le... faut que. Tu sais, exemple, si, mettons, elle me dit, euh, je, je sais pas, j'invente, ça, ça m'est pas arrivé, mais j'aimerais ça être déguisé en licorne. Mais mm -hmm. OK. Et là, tu fais, OK, euh, t'es quelqu'un qui tripe sur les licornes, mm -hmm. pas moi. Mais si je vois qu'elle met le saut de licorne et qu'elle arrive et que je vois dans ses yeux qu'elle est turn on, qu'elle est comme animalement, genre, oh mon Dieu, j'ai mon saut de licorne. Je ouais. dirais fou son saut de licorne. Je comprends, okay, comprends. Tandis que si, moi qui tripe sur un look, Genre plus burlesque, mettons. Ouais. Elle arrive comme ça et je sens pas que... Tu ah. elle aime ça, mais que c'est pas ouais. the thing pour elle. Ouais. Mon plaisir passe dans ça, genre, dans la façon que... ouais je comprends. Fait que ça va pas me turning on, tu sais. Puis là, les deux, on va faire comme... Ah, c'est un peu étrange, ton costume, finalement. Puis on est comme pas bien. <laughs> moi. Puis est-ce que t'enlèves le costume rapidement ou tu laisses certains items? Parce que moi, c'est quelque chose euh... d'infrastrait. Non, tu mais... laisses certains items. C'est ça. ça okay, c'est ça. Lesquels ben, le ben, corset. Des, ouais. Le corset, tu le gardes. C'est hein. ça. C'est monnaie a le mal, tu sais, parce que les positions avec un corset, ouais. ça, peut, ça peut être difficile. Si l'individu te dit, « Ah, oui, ça pince justement », tu sais comme, « on va le, le détacher oui. », tu sais. Ouais. Mais moi, c'est sûr que si les systèmes restent, c'est un plus. Okay, c'est comme l'Halloween des, 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 de la sexualité, tu sais. C'est comme... <laughs> « Ah, je <laughs> L'Halloween de la sexualité, je t'écoute. <laughs> » Non, mais avant de dire, tu fais pas ça... Genre, Tout à, le temps. À, toutes les semaines. Mais génial. la journée que la personne arrive avec un petit saut ou un costume ou whatever, c est, c est quoi. C'est fête. Il y a fête au village. Tu comprends? C'est fête au village. Allez, les païens, je comprends. sortez. Nous serons gâtés. C'est comme, comme je oh, comprends. Ah. Oui, mais, ouais. mais c'est ça aussi qui fait que c'est spécial. C'est que c'est une ben, fête oui, de temps ben, en temps. Oui. Ou ouais. hey, je peux pas croire que je suis en train de dire que j'aime sortir. J'ai pas dit quel saut que j'aimais et je ne les dirai pas. Mais... Ben, t'as dit burlesque corset. Oui, ouais, mais on ira pas plus loin. Ok. Mais, mais moi, oui, tout ce qui est pin up burlesque, tu me jases. Okay. J'adore ce look-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, ça là, c'est. Cette esthétique. Ouais, cette esthétique-là, je, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Roaring Twenties un peu, là. Ouais, tu ouais. vois le, le look, là? Très cabaret. Ouais. Et j'ai été vraiment quelqu'un qui, dans les dernières années, a eu la chance d'avoir des partenaires vraiment open aussi, de faire comme, ah hey, on essaie de tel telle costume, on essaie de tel truc, on essaie de faire telle affaire. Fait que j'ai jamais eu de, de malaise à faire comme. Une fois, avec un saut dans les dos, on se on fait comme. Ça le fait pas, hein? On peut-tu savoir c'est lequel? Oui. Non. Celui qui le dit. fait pas? Non, non, <laughs> non, 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 par respect pour la demoiselle. Oh. Mais les deux, de faire comme, hey, on pensait que ça nous excitait. <laughs> parce qu'on avait vu ça, genre, sur Internet. Ouais. Tu sais c'est ce que On le en coup. avait parlé, de faire comme, hey, c'est bien cochon, tel truc, ouais? Ouais. Ah, je pense que je serais game de l'essayer. Ok, on l'essaye. Là, tu veux juste d'aller acheter tous les systèmes et les cas simples, tu le fais. Puis pendant que tu le fais, tu fais comme, ah, oh, je le sens pas. J'ai goût de rire, toi? J'ai vraiment le goût de rire. Ok, <rire> parfait. <rire> Parfait, enlève ça. Enlève ça, on se sent niaiseux. Euh... C'est quand même drôle. Ça fait ouais. un moment de complicité quand même. Totalement, totalement. Comment tu sais, comment t'apprends que t'es cochon? Parce qu'on est tous sexuels. Ouais. mais À différents degrés. À différents degrés, mais comment, tu sais, tu sais que moi, dans la vie, je veux demander des gens ouverts, j'ai besoin de demander. Ouais, ouais. Pas que t'en as besoin, mais je veux des costumes. Comment t'apprends ça? Parce que pour moi, c'est comme... Un à comme... l'Halloween! <laughs> à Halloween, tu marches dans la rue, puis tout le monde est comme... Grim Robert, je me sens que t'es comme... Euh... <laughs> je suis Edouard Romain de pénis, man. C'est moi, c'est moi. Mais non, c'est comme... Il prépare son party d'Halloween au mois d'août. Ouais, c'est vrai. Hey, regarde, ça chaud. s'en vient. avec choqué <laughs> <J 'ai chaud. rire> venir à un petit party d'Halloween chez nous. Hmm? Tu vas le fun, là, tout le monde. L'Halloween des campeurs. <laughs> <Ouais. rire> um... euh, non, moi, j'irais... Euh, écoute. Je pense que j'ai tout le temps été très ouvert sexuellement, j'en ai tout le temps parlé à la radio, dans mes shows, partout. Je fais mm. souvent des blagues avec ça. Tout le monde sait que je suis vraiment open puis j'ai aucune gêne à le dire. Je pense que la journée que tu réalises que t'es cochon très sexuel, tu disons ça, ça fait moins dirty, genre, très sexuel. La journée que t'es avec des amis, t'as genre 21, 22 ans, puis tu parles autour d'une table ils font T'as fait ça mm. Ouais, pas vous autres mm. Oh non, non, moi je serais pas gay. Non. « Ah, moi, pour venir faire du jogging parce que se voit dans ma face, il n'y a pas de stress. là. Ah non, il faut qu'elle prenne sa douche. Oh non! <rire> <rire> non, il faut, faut que ça goûte. Ah, c'est ça! Il faut que ça goûte. Faut que... Ben non, mais non. La est... douche est tissette. cite. Euh, »« non, c'est comme. Non, non il faut. T'as pas la cyprine, même? C'est comme. Non! Euh... <laughs> Gars, c'est ça qui est le fun! Et <laughs> là, tu fais. OK, puis des fois, dans la façon que tu le fais, c'est comme t'es. T'es « into it oh, ». je suis peut-être intense un, un peu. plus t'en parles avec ta partenaire. « Ah oh, non, non, je te sens passionné. Oh, »« ah. Passionné, c'est un plus beau mot que cochon. <laughs> » ouais je pense que j'ai tout le temps été plus... mais Ce qui est cool d'être cochon, c'est qu'on se retrouve généralement les cochons ensemble. Ah oui, dans, dans les des endroits On se reconnaît. Non. Non. <laughs> on se reconnaît et on se ah, réunit. Oui. Voilà, dans une pièce. Tord le soir. <laughs> ou le matin. ou Le, le matin, c'est le cochon se fout de l'heure ah, Le cochon, <laughs> est, de... est 14h, let's go <laughs> Beau temps, mauvais temps, ouais. ciné-parc, film d'enfant, c'est pas grave. <laughs> hey! on s'en fout que ce soit Shrek 2, là. Ah ouais, Let's go. Ils verront rien. <laughs> Moi, je... eh, oui, c'est des enfants. On va le ils on veut ils voir dorment. 17 fois. Ah ouais. On va le voir 17 fois, ce film-là. Ah ouais. Les enfants dorment en arrière. Ah <ouais. rire> papa, papa, on voit pas le film. Ben ah oui, mais maman et papa sont occupés. On voit, chose, <laughs> on voit. autre chose. On voit. Regardez autre chose. Ah, oh, génial! Mais qu'est-ce que tu voulais dire par les cochons, ce que je trouve, dans le sens où, un mané okay, sera... il Non, euh... ce que je trouve génial d'être cochon, c'est que c'est un truc qui se sent. Ah oui, qui se ou, oui. Voilà, on se, on se spot entre nous. On sent. <laughs> <laughs> non mais non je, là, non, je suis d'accord avec Tom sur le fait que t'es dans un sais. bar et des amis des fois ils vont regarder et ils ah c'est tellement belle cette fille là non ça me sens pas moi. Ouais, 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 c'est vrai compris. que c'est la plus belle fille du bar mais ben, no. la vibe me est... semble que les morceaux de castait fit pas. Je comprends. C'est chimique des fois il y a quelqu'un qui est vraiment moins ton style tu parles avec 5 minutes tu, oh holy shit elle toi tout dans ma face. Ouais, 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 c'est ouais. comme toi puis moi ça wow c'est chimique là, ça. Ouais. Et des fois tu regardes deux personnes une après l'autre c'est cochon pas cochon. Mm -hmm. Ça donne l'impression d'être cochon. Mm -hmm. pense que, ah, oh, c'est fait tirer, je fais une fois, elle pense qu'elle est cochonne. Non. Mm -hmm. C'est comme ben, lui, il a déjà tapé une fesse. Je suis cochon, lui, il a tapé une fesse. Mm -hmm. C'est mm -hmm. non, non, non. tellement important, les... c'est primordial les coupes, à mon avis, là, pour que la libido soit assez similaire. Oui. Bonne chance. Moi, j'aime ça faire l'amour deux fois par jour. à moi, deux... Une fois par mois, ça me convient. Bonne chance que ça fonctionne. Puis, c'est de trouver. Peut-être, moi, j'aimerais ça débloquer quelqu'un, déloquer quelqu'un. Okay, okay. tu sais, quelqu'un qui, qui a des fantasmes, mais qui ne sait pas encore, peut-être. Ouais, sans ouais. convaincre la personne d'eux. Je ne parle pas du pervers narcissique qui dit « Hey, porte ça, sinon t'es con C'est ouais. pas ça que je te dis. <laughs> la fille fait, Ah, finalement, j'aimais ça. » Non, c'est pas ça que je te dis. <laughs> oui, oui, oui. Tu sais, de peux aimer ça, sinon il mais <laughs> C'est ça, mais des fois, tu trouves des partenaires avec qui, justement, tu as envie d'essayer des affaires ouais. ou qui t'amènent ailleurs. Ou euh, oui, oui. Tu ne oui. jamais le chien un pied, mais toi... Les chemins dans le pied, tout ça. Ah oh ouais, oh, ok. Ouais, » ouais, ouais. La fille après ça, elle fait comme hey, « Je savais pas que j'aimais ça les pieds. » Je jamais rencontré quelqu'un qui aimait les pieds. Mais je respecte les gens qui aiment les pieds. Mais, <laughs> mais tu comprends mon exemple, oui. mon analogie? Hein? <laughs> On comprend. Si il y a une affaire qu'on comprend, c'est bien ça. Ah, c'est Une affaire qu'on comprend, c'est ça. Il n'y a pas de <laughs> clim, tu disais? Un peu. Ouais. Non mais C'est parce que c'est cochon. Oh wow. Moi, je veux tout savoir sur... À un moment donné, Thomas, il a déjà gardé ton chat. Oh man, j'ai la meilleure anecdote du monde avec Thomas qui garde mon tu chat. Tu veux? Vas-y. Dans quel contexte il gardé ton chat? OK. Alors, euh, j'ai <laughs> raconté je... cette anecdote-là hier. Ah, Je ne la même pas, je t'ai À Christine Morancy. OK. On est allé faire du sidou. OK. Et euh, on s'est arrêté prendre un, un petit verre de vin. Oui. Et j'ai raconté que je m'en ai ici. Oui. Combien que je vous aimais pis que oh, je vous trouvais drôle. Fun. Et que Thomas, je tombe en amour avec. Ça faisait déjà 3-4 ans que je le connaissais au hockey, ami d'amis, euh, barbecue du Maurice dans un parc. On se lance la balle, puis le ballon de foot. Puis à un moment donné, je suis dans la chambre d'hockey, puis je dis, hey, je pars euh, un bon bout de temps. Là, je partais quasiment un mois au Mexique. Mm -hmm. J'aurais besoin de quelqu'un qui garde mon chat. Mm -hmm. Thomas, moi, je suis allergique, mais je le prendrais. <laughs> C'est un Thomas Levac, Il fait du, du Levac, Je fais, ben, vrai, tu le prendrais, t'es allergique. Oh, C'est pas grave, je le prends. Tu <laughs> tu le, tu le puis, Ce gars-là va le prendre, puis je suis sûr que mon chat va être en bonne main. »« mains. Oui. Parfait. ne manquera pas d'amour. Mon ex ne connaissait pas tant Thomas. Et c'est moi qui est allé porter le chat, puis qui explique les affaires à Thomas. Puis je vous Amuse-toi, c'est un beau chat de bengale qui a beaucoup d'énergie, il va courir partout, il s'appelle Chewy. Amuse-toi, je pars quasiment un mois. Et on revient de l'aéroport, puis je dis à mon ex hey, Écoute, on va arrêter chez Thomas chercher. Euh, Chewy. »« Chewy. »« Et j'arrive, et je suis dans le portique. Et là, on ramasse les trucs, on essaie d'attraper le chat pour le mettre dans sa cage. On réussit à le prendre, puis là, il est nerveux, puis tout. Puis il dit Ça se peut qu'il soit nerveux, il faut que je te dise quelque chose. Là, euh, je me suis masturbé, puis il me vu. <laughs> Mon ex ne connaît pas Thomas le match. <laughs> et le gars s'excuse, puis il dit Je m'excuse, je me suis masturbé, puis ton chat il m'a vu. Je, et je sais que tu l'aimes comme ton enfant. <laughs> C'est correct, s'il fait le pas, il m'en parlera à la maison, il a déjà vu pire, et il nous voit faire l'amour Thomas. Moi je, je je tenais à te le dire juste que... Merci Thomas. Et je suis parti et je me rappelle que mon ex dans la voiture disait "Il est étrange." Yeah. Je sais, est le gars le plus gentil que tu vas avoir vu dans ta vie. Mais effectivement, il vient de nous avouer que c'était masturbé, de... mais pas avec, c'est sais juste le chat l'a vu. Il l'a vu. Et oui, puis pour lui, il trouve ça important de nous le dire. Il a fait un eye contact avec le le chef. Chef. <laughs> oh! et il le regardait une autre fois. De manière, je repartais un deux semaines en vacances, je crois. J'avais dit, Tom, tu veux te Oui, 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 pas de trouble. Et j'ai fait la blague en, en allant porter. C'est pas grave si tu te masturbes en le regardant. T'es pas obligé de me le dire. C'est ton jardin, Thomas. <laughs> Et une manuée, je sais pas trop, je te texte. Je sais pas dans quel voyage j'étais parti ce fou-là. Puis je texte, est-ce que tout va bien avec le chat? Il t'a pas fait chier parce qu'il avait un gros caractère, ce chat-là. Non, non, on regarde le basket ensemble, je me masturbe dans ma chambre sans lui. <laughs> <translété> j'ai fait. Il se masturbe <laughs> en cachette pour pas que mon chat le voie. Il chill ah. il regarde le basket avec Thomas. Mon chat peut pas être en meilleure merde. Ouais. Une vie de rêve Une vie C'est ma vie maintenant. <rire> 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 Steph, va là-bas, faut que je m'accroche. Ah, regarde les NYX, je reviens. <laughs> oh oh. oh. Il te ce là Ah, oh, j'étais allergique, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens comment j'étais allergique. Après, j'étais allergique. Ah oui. J'allais le chercher chez lui, pis il y avait la face boursouflée. <laughs> pourquoi il s'impose ça Mais en même temps, je le savais que tout était correct. Il allait être nourri, puis il, il, être... il allait être bien entretenu. Oui. De l'amour. Oui. C'est ça. Il m'avait dit Faut-tu que j'aille le promener, qu'il fasse ses besoins puis, non. <laughs> non. Non, non, non. Tu me tellement bien. Oui, oui, Faut-tu que j'aille le promener Puis j'ai dit Non, mais ces, ces chats-là, c'est comme plus sauvage. Oui, c'est un chat, c'est un bengal, c'est plus ouais. sauvage, mais. Pas de laisse sur rien. Non, <laughs> non, non. Pas de laisse sur rien, Thomas. OK? Oh mon Dieu, l'invitation est en loin. Et point. la deuxième fois que je suis allé le chercher, j'étais avec Xavier. Puis on était rentrés dans la maison. Puis Xavier faisait juste pas bouger. Puis tu sais, Salut! » Avec ta grande main qui fait un peu comme ça, tu <laughs> sais. Puis Xavier, dis juste « Bonjour. Oh. » Fait que tu me redonnes. Puis t'avais rien dit de wrong devant mon enfant. Puis juste ton cast. Mon <laughs> enfant, t'avais vu une fois au parc. Rappelle-tu, maintenant, on avait été oui. toi, moi, Phil. Oui. Euh, La Rosemont, je suis Phil Roy, puis euh, louis T, je pense qu'il était là avec sa copine, son bébé, puis on se lançait le ballon de foot, puis tout, oui. avec euh, le petit, puis mon ex. Puis il m'avait dit bizarre, mais très gentil. <laughs> C'est Thomas, man. C'est ouais, parfait. « bon dans le Bizarre, mais, mais très, très gentil. gentil. Ça ah. te définit bien. Si maintenant, j'étais suis sur Tinder, ça serait ça. Bizarre ah, mais très gentil. Oui, c'est une bonne bio. Ouais. En fait, non. Ça, ça attire du monde. Bizarre, mais. Bref. Ça va attirer du monde bizarre mais très <laughs> gentil. Moi, venir chez tes cornichons, mais m'a fait des tresses après. <rire> <rire> je m'occupe du volet bizarre. <laughs> pas besoin. Oh. oh wow! Ben, c'est une excellente question, c'est poser question là. Ben. Waouh. Wow. Wow. Les, les gens des ont des besoin choses. de savoir que c'est déjà possible oui. dans mon chat. Oui. <rire> <rire> mais je voulais pas. C'est ça qui est <laughs> Tu sais, des fois, les gens qui connaissent. T'sais, le milieu du monde, ne sait pas qui est ami avec qui, mm -hmm. ouais. ah un tel puis un tel qui se parle dessus ou tu les gens savaient peut-être aucune marque, moi puis ta on se connaissait depuis quasiment bientôt 10 ans mm -hmm. et qui s'était déjà crossé devant mon shop et gardait mon shop et qui se lançait le ballon de foot avec mon faisceau. Voilà, c'est dit. C'est dit. C'est dit. C'est C'est oh, une intimité. Hein? <laughs> on vit quelque chose. C'est une hein? retrouvaille aujourd'hui. Ouais. <laughs> Le chat est avec nous. <laughs> Chewie est là. Chewie, louche, man. Il a trouvera pour sa vie. <laughs> il y a une hanche décollisée, mais il, il, est il est là. <laughs> il est là. Il est là, le chat. Il le voit, puis il pleure. Tu sais. Oh non! <laughs> non! Il recule. Non! Du basket, puis des crossettes! Non! <laughs> non, non, je change de pièce. <laughs> je vais dans jeune. la chambre. Je l'ai dans la ça, chambre. Ça, c'est une bio Tinder. Basket et grossettes. Oh, ouais. Mm -hmm. Crème, on brainstorm, j'aime ça. Je frères du qui vont nous voler. Voler nous pour tender, <laughs> ton d'amour. <band> amour, <laughs> basket et » Tu déjà j'ai été sur tender. <laughs> euh, oui. Mais. mais... <laughs> ouais, mais... Ça, ouais. Quand je me suis séparé dernièrement, euh, non, je rectifie. Oui. Je me suis fait laisser. OK. Je méritais d'être laissé. J'ai pas été un bon chum dans la dernière année. C'était oui. une année difficile. J'en ai déjà parlé ici de mon ami, mais t'as plein. Bah ben, à toi, à ton podcast. Grosse année, on se sépare, tout est le kit. Je pense que je ne suis pas le seul couple que. La pandémie, ouais, ça, ça. Qui... ça a ouais. été comme la série sur le Sunday de quelque chose. Là. De Et... truc, par des Oui, oui ouais, ça aide. Ça. Et à un moment donné, après un mois, non, trois semaines de célibat, en pleine pandémie, ouais. As le cœur brisé, puis habituellement quand t'as le cœur brisé, tu sors dans les bars, tu vas faire des shots, tes amis te pognent par la nuque, puis ils font ça, oh, ben allez, man, assis, puis là tu freines quelqu'un, puis tu fais, hey, je suis encore capable d'être quelqu'un de joli, ici. <laughs> tu... tu couches avec quelqu'un, même si c'est médium, tu ah ben gars, hein? tu eu du fun, je suis quelqu'un, Ou ça quand t'es est... séparé, tu fais ça. Tu fais ça, oui. Oui, gars, tu t'entoures de, 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 de beaux hommes ouais, comme ouais. ça. Anorexique. Oui. Ouais. Ben gars. déshydraté. Ouais. Moi, je suis. Oui, moi, je suis bas des personne. <laughs> Surtout pas ces gars-là. Eux, ils sont bien corrects. Ben corrects, ah les gars? Et. J'ai fait un soir, je parlais avec mes amis, il ça, vas-y! Mathieu, ça paraît que ta cassette est déjà faite. Pandémie, couvre-feu, je suis seule avec deux enfants à la maison. Ouais. Je couche les enfants à 8h30, là, je pleure jusqu'à minuit. Mm -hmm. ouais. J'ai personne à voir. Je ne peux pas... Fait que je me suis dit, crème, je pourrais peut-être me mettre sur les apps, mais je, je, ma face est connue. Mm -hmm. Comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un qui ne va pas juste faire comme hey, ⁇ Je couche avec lui ⁇ mm -hmm. Je me suis mis sur toutes les petites apps. J'essaie de voir. Les, les quelques... plus petites apps, là, comme pas Tinder. Les, les... Ouais. Okay. Puis là, je me suis pris un euh, Bumble. Ouais. Je me suis mis sur Bumble, mais euh, le truc incognito. Okay. Que ça, ça veut dire que c'était moi, quand je swappais quelqu'un, la personne disait Oh, un invité mystère t'a swappé. Ah, je ne savais pas qu'il y avait cette option-là. Mais ben, oui. Mais c'est comme l'option pour les lèvres. C'est beaucoup d'achlisses. De... <laughs> <laughs> c'est vrai. <laughs> mais ouais. mais ou les gens comme moi qui veulent. Ou qui sont ben, trop le... gênés ou oui, qui veulent. Oui. OK, Je comprends. 40$, c'est un investissement. Ben, oui. Et là, à un moment donné, je parlais à 4-5 personnes en même temps. Mais c'est ça, les apps. Moi, ça fait comme 18 ans que je n'ai pas été célibataire. Hein. Mm -hmm. Fait que là, tu fais comme. Ok, je n'étais pas bien à parler à 3-4 filles en même temps. Puis là, à un moment donné, je parlais à une de mes amies de filles qui, qui, elle, me disait What Je parle à 7 gars en même temps, à 2 filles, man. Je Ah, ouais Ben oui, relax, Joe, c'est ça que tout le monde fait. Je dis Ah, mais je ne suis pas euh, mm -hmm. dans un bar. Je parle à une personne. Je n'ai pas connu les apps, mm -hmm. tu sais. Fait que j'avais comme pas trop comment gérer ça les... Fait que après une semaine, à parlait à trop de filles en même temps. J'ai l'impression de jouer sur trop de terrain. même si j'avais vu une de ces filles là seulement. J'ai fait comme Hey, moi là pas bien avec ça. Fait que j'ai enlevé les apps. Ok. C'était pas une dynamique pour ah, toi. J'ai jamais été non. Sur, sur une nappe, J'ai jamais été sur une app, mais ça me rappelle quand j'ai été sur mon classeur. Ah ce fameux oui tu étais sur do you look good aussi non mais j'ai écrit j'ai écrit pour le blog non, de mais, do you look good c'est ce une, une absurdité c'est parfait, parfait. gars, en tout cas peu importe vous présidente Stéphanie Vendlac <laughs> a fait de l'argent dans la vie elle trouve un moyen ah, de monnayer n'importe quoi tout. tout, tout. bon mais sur mon classeur je me souviens quand je me suis inscrite j'ai comme je me souviens plus exactement le, la technicalité de comment ça fonctionne mais tu sais j'avais lancé pas mal de perches c'est sûr de que c'est sûr ah oh, oui des perches ok ben, tu sais, là, c'était plus comme des chats, là, parce que c'est sur un site web, c'était un peu une app dans le temps. Puis, euh, puis là, je me souviens que là, c'était comme le soir, un peu, c'est ça. j'étais séparée, puis j'étais comme. Let's go! Oh, oui. là, là, là. Chose, <laughs> ça, là, là c'est ça, là! Là, ah, ouais. là! Là, je suis pas une personne laide! C'est ça! ça. Mm -hmm. <laughs> fait que là, je me suis J'ai de la lingerie à montrer au du monde. <laughs> fait que là aussi, tu sais, mettons, on boit un peu de vin, on va là-dessus, mm -hmm. tu t'inscris, je mm -hmm. choisis des belles photos, lance des perches, puis tout. Mais là, tu sais, les gens sont pas nécessairement là pendant que t'es là. Mm. Fait que bref, moi, je, je lance plein de pêches puis je suis comme « ça marche, c'est moyen, je trouve ça lent, puis tout. » Finalement, je vais me coucher, mais là, le lendemain, j'ai plein ah. de messages. Mais là, je suis plus « horny » et ou « soul, soul. ». <laughs> fait que là, je suis juste comme... « Ouf, ça me moi, pas au de répondre à tout ça. » Fait tu Non, mais j'ai eu ma date avec le gars euh, que j'ai raconté ici, déjà, là, dans un épisode précédent. petite voix Oui. Elle a fait du contre-là contre tu, non, ouais. là, tu, non, ouais. là, tu non. ouvres rapidement. Ouais, ok, mais rapidement, c'est juste... Je, 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 finalement, je danse avec un gars, puis ça va super bien, on ouais. a vraiment une super belle complicité. Puis, euh, je l'invite chez nous. Là, je sais encore là que ce n'est pas là, dans les règles de l'art, habituellement, de faire la première date. Chez soi. Ah, que ça envoie un message? Le... De... Ça envoie un message très. Euh... Mais le message est clair, oui, oui. c'est ça. Bon, oui. Ah, ouais? Ok, tu vois, je, je, comme je suis comme un naïf, moi. Je répète, hey, viens subir chez nous, on va prendre une bouteille de vin. Ça clique, ça clique. Quand une fille t'invite, c'est différent. Quand... Ah. Moi, quand une fille m'invite, je me rase. Tu te mets sur le cul. Oui. Tu <laughs> <laughs> mets tout ça sur. Moi, j'avais ça le crâne de Bruce Willis. Hein. <laughs> Genre, tu là, hard, là de die <laughs> hard. Prime, prime, prime. Pas trop piquant. Je casse comme du sur mes pecs. Tu vois, tu comprends? Je comprends. Mais je laisse le chemin. Je suis un homme poilu, mais. je comprends. Tout, 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 C'est sucré mon gars. Tu peux te regarder. Tu te brosser les dents en te regardant. C'est beau, 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 beau. Bon, alors. Excuse-moi. On se prépare donc en conséquence pour une telle date. D'ailleurs, moi, ça me frustre tellement quand. Justement, tu sais, quand t'as passé toute l'étape de l'épilation, tu nous, les filles, on a les jambes aussi et tout. Puis là, le gars te choque. Tu sais, moi. fait? 24 heures que je m'exfolie, je m'hydrate, je m'épile. Puis là, tu me choques. Et tout ça pour ne peut-être même pas avoir un cuni, parce que le trois quarts des gars ne font pas de cuni. Les voilà. gars, vous êtes où, man? Mais ça, je... moi? Non, j'ai dit, dit <laughs> les gars, prends... mets le chapeau si te fais Moi, ça fait quelques demoiselles qui, dernièrement, me disent. Oui. Moi, j'arrive dans un couple où on était des cochons. Tu comprends? Ouais. On aimait ça. Mettre notre bouche à plein de places. Oui. Puis on communiquait. Oui. Ça là-dessus. Oui. Jamais eu de problème avec ça avec mes ex. Jamais, jamais. Et là, j'arrive dans, des... dans le monde du célibat où je croise des. Puis là, tu ouais. fais ça, tu fais comme, oh mon Dieu, hey, waouh, merci. Puis pourquoi merci? Merci à toi. Oui. Tu comme, ah oh, non, non, on dit. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mm. What? Tu peux lui demander que tu parles avec une amie de fille, tu prends un verre. Toi, quand tu fais des One Nights, les gars, ils font tuer de te... non, non, jamais. Quoi? Tout, ça fait partie du plaisir, man! Je comprends même pas. Mm. Fait que Imagine si tu as travaillé super fort et ils vont même pas. Je sais, je sais. Non, moi, non, si, si j'arrive à quelque part et je vois qu'il y a eu du travail, je suis comme, ah, oh! donné. donner. <laughs> ten donné, man. <laughs> vous vous donnez tellement pour nous. Nous, on s'est juste trimé à la poche. Toi, je, je sais tout ce que vous avez fait. Là. Vous avez fait un masque avant. Ah oui, c'est ça. Là. Moi, je me suis brossé les dents. J'ai fait eh, des fois. Des fois, c'est ça. Ça. <laughs> ça. On matin. fait des incantations à pleine lune. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait. <laughs> on allume des chandelles, à, au nord, au sud Le gars, il regarde sa montre. Il fait bon, c'est le temps d'aller laver le pack. j'ai <laughs> ça dans le fiston là. Pénise à casser le cul, man. C'est comme Penis à le cul avant la date. C'est souvent ça pour un gars. Il se met deux poches de parfum dans le bas du ventre. Faire, Ouf, on va trouver que je suis propre, man. <laughs> je comprends. Là, on stigmatise un peu homme-femme, là, mais en tout cas, euh, on généralise si et chapeau, on assume. Voilà. Chapeau fève, si euh, si le chapeau le. de fait mais le. C est, c est -le. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Donc, c'est ça. Fait que là, échange avec le gars et tout, je l'invite chez nous. Puis là, un mani à l'approche du dit rendez-vous, il me dit, ah, oh, je suis vraiment comme nerveux. Euh, tu sais, comme qu'on on se compte en vrai, tu sais, peut-être que tu vas, y a des choses en vrai que tu vas pas aimer de moi. Mm -hmm. Puis là, il liste des affaires, mais tu sais, genre, euh, je sais pas, moi mais... mon. « Mon odeur... Euh, »« mon Mousse de bas dans mon ongle d'orteil. <laughs> » Tu sais, des choses mais, précises. Non, mais tu sais, des affaires... Mais il y avait des affaires... Juste, Je sais pas, mon regard... Mais... Puis là, un moment donné, il dit « ma voix ». Puis je trouvais ça... J'avais jamais vu quelqu'un complexé par sa voix. Puis j'étais comme... Fait que j'étais comme... « Ben... Oh, t'en fais pas. <laughs> » Viens, t'en! Viens, t'en! Viens, Fait 24 heures, je m'épile! Arrive à l'heure, arrive à l'heure! Moi, t'as temps que t'arrives à l'heure, je corrige. Genre du à péter des points noirs! <laughs> ah ouais! <laughs> ah ouais! Viens, Puis, euh, finalement, ça y arrive chez nous, puis la façon que c'était fait, c'est que, mettons, tu sonnais en bas, il y avait l'escalier intérieur, puis moi, j'ouvrais en haut ouais. pour. Avoir ça, ça. Fait que là, il sonne en bas, j'ouvre en haut, puis je buzz, puis là, il rentre, puis il fait Salut! Je <laughs> euh... comme. Oh, c'est ça, il était complexé par sa petite voix. Il aurait dit ah. Mais est... on a quand même passé une très belle soirée, c'était un gentil garçon. Je suis désolée de rire de ta petite voix pour la deuxième fois. Puis tu l'as bloqué. Je ne l'ai pas bloqué, Tom. Ça n'a pas fonctionné, c'est différent. Je lui ai juste dit, ça ne fonctionnera pas, c'était le ben le fun, mais merci beaucoup, au revoir. Le le custom, oh, -tu ben? que... Il a brisé le cœur, cet homme-là. Ah, veux-tu bien? C'est sûr qu'il va super bien. <rires> 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 super bien. <laughs> Quel bon punch. Oh, c'est génial. <laughs> tu euh, te mentions tantôt que tu euh, te mets le mode des sur oui. un Bumble, oui. Ça tombe bien. Parce que c'est le moment de t'offrir un cadeau. Oh! <laughs> et moi j'adore oh, okay. Okay. Parce que juste avant, on a le segment des dates qui est commandité par Eros et compagnie. Eros et compagnie, parce que pour faire l'amour et pour se masturber, ils sont là pour toi. 15%, double couple 15. Tu peux t'acheter des objets sexuels, tu peux t'acheter pour toi, pour ta blonde, pour ton chum. Now what, let's go couple 15. Yeah! Et euh, pas parce que c'est votre commanditaire, mais je vais en rajouter. Mmh. Je trouve que Eros et compagnie commandite beaucoup, beaucoup de choses. Moi, quand j'ai fait le show 3X, il y a vraiment longtemps, au ZooFest, on a il fait le tour le. des places et c'était les seuls qui ont fait hey, « on embarque! » Puis il, il était super cool. Il fait des paniers à faire tirer dans le foule, puis il y en avait tous les soirs. Il avaient donné des gros fistes à autographier puis à donner aux gens. <laughs> c'est incroyable, ils Il du lub et des petits condoms à tout le monde qui rentrait. 400 oh. personnes par soir. Wow. donnait ça gratuit pour. Puis je tout le temps, puis on les voit commanditer. Puis, ouais, des, ils Oui, ils sont, ils sont là. vraiment Willing, vous êtes hot, euh, puis pour vrai, c est, c est, je trouve ça vaut la faire. Alors je l'ouvre là ou on fait les ben ouais, on, on là On, on commence on par ça, puis ouais. ensuite on fait, fait Est-ce que je l'ai déjà chez moi Ah ben ouais, c'est ça, on sait ça. pas <laughs> Parce que moi, pendant un bout de temps, c'était une. On essaie ça, on essaie ça, on essaie ça, on essaie ça. Fait. Ah bon, on va c'est génial. T'as une petite carte aussi. Oui, tu peux lire, ils le... t'ont écrit un petit mot. Non, oh. ils sont vraiment on C'était le fun jour quand t'es venu t'acheter ta cagoule avec un. « Salut Jonathan, nous avons entendu dire que tu aimais faire les choses de manière incognito. Voici notre meilleur... votre meilleur ami à ta partenaire et toi. L'incognito se commande à distance grâce à... » Ah oui, ça, j'aime ça. « Il stimule les clitoris et le point G. Ce fera parfait pour des petites excursions ou pour des soupers de famille qui manquent de piquant. Amusez-vous bien. » Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec une demoiselle, mais comme c'est On va le refaire. Ah ouais on le refait, là. J'ai perdu beaucoup de choses en séparation. Faut pouvoir build un. Ah ma petite boîte de choses! Ma petite boîte! Ma petite, petite boîte à souliers collantes! Oh, tu me <laughs> dis. <laughs> hein? Ah! Hey, ça, c'est ah. un genre de. Ah oh, oui! Hey, ça, c'est parfait. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Okay, quoi? Alors, je, je l'explique. C'est ça, c'est ça. C'est à toi, fait que tu sais. Ah. Ouais. Je peux le mettre dans ma bouche? Ah oui, t'as ça. Tu peux le mettre où tu veux. Dans Nico, si tu veux. <laughs> non, non. Nico, penche-toi! <laughs> Faut-tu une demande avant? Non, mais t'es habitué, du coup. C'est son rôle. dans le C'est parfait, ce joueur-là. Fait que c'est quoi? Alors, euh, <laughs> j'ai l'impression de donner <laughs> un oral. <un, un>, <laughs> Alors. Un show and tell. Tu mon le, oncle, le... à un moment donné, il est allé <laughs> voir des volcans au Costa Rica. Puis là, tu sais, quand tu étais petit, tu faisais l'oral et tu commençais comme ça. Ça finissait toujours par... Est-ce que je peux recommencer? Ton sujet à mener, le Kiss oui. <laughs> <est super> My <laughs> Farfetch. <rire> Alors, euh, mm. euh, c'est un... Euh, un jouet, Comme un coco, dans le fond. C'est un, une petite boule ouais. que tu peux entrer à l'intérieur de la demoiselle, ben, qu'elle peut s'insérer elle-même. Et tu as une manette à distance et il stimule clitoris et point G en même wow. temps. Ben, qui fait comme toute la, la surface oui. de la vulve. Oui, et à l'intérieur. Et à l'intérieur, il stimule ton vagin. Et euh, ça vibre. Là, il n'est pas chargé. Mais ouais. Tu l'as chargé. Et, et habituellement, il y a quand même une bonne distance. Où tu peux être à. OK. En tout cas, dans mettons, une autre. Un non, de mes amis m'a déjà raconté là, oh, que, ouais. mettons, il, il est allé à la sac. Okay. Avec sa copine, mais ça c'est genre, c'est flou, c'est quelqu'un qui... Et qu'il <laughs> s'amusait à allumer ça pendant que, je, sais pas, je pense que c'était sa copine, <laughs> achetait des bouteilles de vin, Oui. puis s'amusait à demander des explications oh. au gars wow. Il lui expliquait la bouteille de vin, et que oh. son chum était vraiment le plus loin, le gars, puis <laughs> il cliquait, wow. puis là elle souriait, puis, maintenant il faisait des signes avec sa main. Maintenant si je tourne mes cheveux, c'est parce que ça suffit, tu sais. Oui. Puis oui. que le gars, ben il continuait parce qu'il savait que... En tout cas, ça, je ne me rappelle plus la fin, là, parce que ça ne me regarde pas. Tu ne parles ouais. plus à ce gars-là, c'est pour pas ça. Je ne parle plus même à ce gars-là et à cette fille-là, surtout. Mais, euh, <rire> <rire> mais il paraît que c'est vraiment, vraiment cool. Puis ça se fait des high-fives après dans le parking. en faisant Oh, mon Dieu, c'était fou ce qu'on vient de faire. » c'est comme deux meilleurs amis à l'époque. Puis aujourd'hui, c'est plus les meilleurs amis. Puis. Euh... Oh, des choses qui arrivent, hein? Des choses qui arrivent à maybe, tout le monde, en plus. Maybe. Oh! On a donné envie d'acheter du vin. Ouais. Oh, je vais me donner la sacre. Euh, oh, oui! Bon, Joe, est-ce que tu es prêt à commenter euh, la date de d'un de nos auditeurs? Attends, attends, euh, avant, vous... avant les dates, je dois intervenir parce oh, que. Ah, cool, oh parce, parce que Eros m'a donné un cadeau pour vous, en fait. Ah! merci. Parce ah. 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 que, que vous pouvez l'utiliser devant moi. C'est moi qui le chercher, c'est la pire affaire. Ben, on a un jeu, jeu érotique. érotique. Oh mon Mais dieu. Mais as une société Oui oh, c et, toi, et vous aimez le sexe en plus ah, C'est la même affaire. Afro oh, on a une carte Dis la carte parce que tu n'as plus belle boîte, oh, Mon chérie. dieu. C'est un jeu érotique qui s'intitule afro <laughs> Et c'est... Il Et okay. là, on ne sait pas si la menotte est, tu sais, les menottes sont tenues par sa main non, ou un, a un ouais. ou un très gros cutteriste. Okay, très, très Salut Steph et Thomas, on Nous vous autres. adore et on a entendu dire que vous étiez très traditionnels au lit. Voici un <laughs> jeu qui viendra pimenter vos aventures. PS, on veut du feedback. Ok, on du feedback. C'est très drôle. Donc, afro un jeu, jeu érotique conçu pour les couples avides de nouvelles sensations et expériences. J'ai dit tantôt que je voulais juste me faire un café. <rire> <rire> je voulais juste Arrêtez, me faire un café, quel... Arrêtez! Des portes closes. Ok, le jeu contient deux jetons, un dé, un bandeau, une planche de jeu, un fouet en cuir, une paire de menottes, un vibromasseur, une bouteille d'huile de massage, deux pochettes avec portes et 60 actions mystères. Des actions action mystères! mystères. Juste ça, on l'a. Oh! Mais c'est ça ta définition Tinder. <laughs> oh! Action mystère. Ah, c'est quoi C'est regarder oh. du basket pis se C'est <laughs> <C> mystérieux, <laughs> <C 'est> mystérieuse, <laughs> man. C'est votre crossé dans Je oh, vais juste autre voir titre. les jouer. Oui, c'est ça. Oh, ah, c'est l'argent. C'est parfait ça. C'est qui gagne Comment on gagne Je suis compétitif. Euh, premier qui vient perd. Oh Mais ah, ben, je vais perdre tout le temps. ça c'est la planche de jeu. Ben, si tu veux un truc, prends des antidépresseurs même. Ah les cartes. Oh ouais, pas que je vais pas, pas dans ça. J'ai juste une carte. Je suis pas de ma vie en dépression, tu ça moyen. Non non, mais ça va faire ouais. Cherche les 60 cartes d'action mystère. Je pense qu'ils sont là-dedans ici, girl. Bien ah, ça, bien ah, ah, okay, okay. ça, bien ça, girl. Okay, okay. C'est hilarant Ok, ok, ok. Action mystère. Ok, vas-y, vas-y. Ok, oh, un mat pour dormir. tu prêt à dormir? Oh, ça, c est c est un beau loup. Vas-y, nomme-moi une action mystère. Ok. Un fouet. Ça, est parfait. Ça. Votre partenaire ayant les yeux bandés, escortez-la oh. jusqu'au mur le plus proche, retournez-la contre le mur et caressez-lui le dos, Léchez doucement sa colonne de la nuque jusqu'aux fesses. Ah, c'est extra. Les yeux voilés, menottés oh et assis mon... sur une chaise, votre partenaire n'a que le son pour imaginer ce que vous planifiez. Oh. Installez-vous oh, derrière elle <laughs> et caressez ses seins. Je m'écrasse. <laughs> Parce que pour le... que tu saches, c'est que moi, au début de notre relation, j'envoie oh. des voicemails érotiques okay. à Steph. envoie des voicemails. Elle, très elle très aimait pas ça, mais elle aimait moi, fait qu'elle l'endurait. Elle l'endurait. On le fait plus. Là. Et là, je suis rendu dans le sexe. C'est un autre, Je vous enlève un autre. Oui. Oh, ben là, c'est pas si... Un autre, un autre, un autre. OK. Voilez les yeux de votre partenaire, amenez-la près d'une table et pratiquez la position oh oh. illustrée. Qui est un genre oh. de choses oh, qu'on régulièrement. Oh, c'est des vraies photos! Ouais. Oh, c'est hilarant! Oh, c'est hilarant! Combien t'es payé pour ça? Combien tu payes? Ce jeu-là? Non, le Mais non, il faut. C'est eux? Ces photos-là. Ah, pour... Euh... Hey, je sais pas. Mettons, là, on me demande ça. T'as ça dans ta boîte courriel, là. On veut illustrer un jeu érotique ouais. avec des photos. Ay, je, Là, la fille, elle a des yeux bandés. Je t'avoue que j'ai. C'est comme <laughs> toi. Je <Les rire> pas souvent. de référent. Ah, oh, c'est génial. C'est extraordinaire. Oh, ça, je suis content. Fait. Fait on, on veut un, un ça feedback. Va être... Nous, on faisait ça à, à mon feu podcast, le PAXAC, qui n'existe plus. Okay. On avait la section retenue à la fin. qui était. Okay. On, le concept, c'est qu'on faisait chacun un oral. Moi, Suzy Veilleux et Mathieu Genard, on faisait un oral, chacun notre tour. Okay. Et après ça, on allait en retenue pour les membres Patreon. Et en retenue. On parlait souvent soit d'anecdotes de sexe de nos, nos auditeurs, ouais. ou de bad luck, ou tout simplement de trucs qu'on n'osait pas dire at large, que l'on disait en retenue si tu me payais droit au piège, je te le dis. Ouais, on devrait avoir, avoir ça, nous, des affaires qu'on ah. sortait de dire. On non, et, <laughs> ah, oui. et à un moment donné, on était tombé dans le essayer des jouets et des trucs, puis donner des, des reveals, comme la semaine d'après. Puis à un moment donné, Mathieu... Il m'avait dit, hey, il faudrait que t'essayes oh. les petites pilules tu sais, qui font bander. Puis, ah, j'ai déjà essayé, genre un cialis ou un truc comme ça. Oh, ouais, c'est cool, mais c'était pas comme je pensais, moi, dans ma tête, j'allais pouvoir péter du g tu sais. mm -hmm. Et là, je fais, OK, fait que je me pointe au sex shop. Puis, mon devoir à moi, c'était ça, d'essayer une pilule de même. J'ai essayé une pilule, Thomas. Je te le jure. Je vais reprendre un gag euh, similaire à ce que Mike Ward a déjà dit. Là. Je pensais que mon pénis allait avoir des vergetures, man. Wow! J'avais, au début, je pensais que je faisais une attaque de panique. Parce que mon cœur battait tellement vite, c'était tellement stimulant. my God! Et... C'est-tu ça? Quand je peur. le raconte, oui. Quand je l'ai vécu, je ne savais pas si j'aimais ça ou pas. Genre, j'étais comme... Et je te le jure, mon gars, je l'avais expliqué dans, ma... dans notre show, j'avais l'impression que mon pénis avait doublé en longueur, qu'il n'y avait plus assez de peau pour le contenir. Wow! Et ça me faisait... Écoute, j'étais... Comme si j'avais... Quand on avait 15 ans, puis t'es mm -hmm. debout, puis c'est collé sur ton puis t'as de la misère à le descendre, là... C'était ça, je comme, oh mon Dieu, oh, ça fait quelques années que je n'ai pas eu ce type d'érection. Ouais. Tassez-vous, je peux. Il y a -il oui. quelque chose qu'il faut que je brise dans ma maison ben je suis là. Oui. Puis c'est un beau bon rapport sexuel. Ah, c'était incroyable. Et l'orgasme, ça veut que ça, ça pouvait augmenter l'orgasme. Bullshit. Mon gars, je pensais m'évanouir. Wow! Honnêtement, <laughs> là. Là, Je peux pas croire je vais dire ça. J'ai des enfants. Puis je vais, je vais dire... Il y a beaucoup de choses que j'ai essayées dans ma vie, moi. C'est vraiment ouais. bien des affaires. Mais là, tu Et là, ça, cette petite pilule de, de sex shop-là m'a fait flipper. Et après, on a eu fini. Et je t'ai accouché dans le lit. Puis je me sens pas bien. Mon cœur bat encore beaucoup trop vite pour ce que je suis capable de tolérer. Wow. Fait que j'ai fini dans la douche froide, assis, à essayer de débander, puis à juste <laughs> reprendre conscience de. Ok, relax, man. Ton cœur va pas exploser, c'est juste beaucoup trop intense. <laughs> hey, je te dis, ça me fait. Si t'es cardiaque, t'essayes pas ça, man. <laughs> ben, je... Ah si. Il a fallu mon ex de s'asseoir avec moi dans le suis Ça va Je dis non, man. J'arrête plus de bander. Tu sais. <laughs> là, elle me flattait le dos, et Je dis, hey, man, je suis étourdi. J'ai la pression dans les yeux. Je suis comme. Moi, il oh. arrivé un truc similaire, mais beaucoup plus niaiseux que toi. Ok. J'ai déjà. Euh, moi, j'aime ça me donner des défis, ouais. mais qu'on me donne. Personne ne te Puis moi j'ai dit à ma blonde de l'époque « Yo, pour que je suis game de mettre de l'antiflagestine sur le pénis. Oh. » Puis je l'ai faite. Puis ça chauffe beaucoup. Ben non, mais faut ça, pas... J'ai appris ça. Ou tu sais, la petite ah. huile Dragon appelle là, là c'est comme Shanghai Dragon, je sais pas trop. Ouais, ouais, c'est ouais, comme ouais. c'est noir là, leur ouais, produit. Ouais. Là. Il y en avait une pour le pénis. Fait que moi j'avais pas lu le derrière de la bouteille. Fait que je pensais que c'était comme du lub Ouf. Fait que j'en ai mis tout plein dans ma main. Puis là, tu t'en mets partout. Aucun raccoin, aucun qu'il qui en aura pas. Et 15 <laughs> secondes après, mon ex, elle, elle commence à elle fait, Ah, ça goûte fort, hein? Puis je suis comme, Hey, c'est chaud, man. Puis elle dit, Tu penses-tu qu'on as trop mis? Je dis, Pas de temps, en plus, ah. tu sais. Et filation se, se, se commence, puis le je vais être, Hey, je me sens pas bien, fois, fait, Hey, ça fait vraiment mal, ça chauffe beaucoup trop. Man, ça pointe des pieds dans le lavabo. Ah, à ah, 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 m'arroser, man, elle est partie. Qu'elle arrive tout nu dans, dans sa main avec le petit produit. Ça disait de mettre l'équivalent d'un petit poids. <laughs> 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 Mais ce que j'aime de tout ça, c'est. C'est ça qui. L'intimité, c'est ça. Ce qui, oui. ce qui qui ramène un couple ensemble, c'est ces moments-là. Le pire, c'est que des fois, c'est plus le fun de ces petites niaiseries-là ouais. que la baisse en soi. Je comprends. Ouais. Ouais. Fois, ben tu ben comprends. des C'est des moments tu, de complicité. Ben oui, en oui. Fait, tu pars à tu fais. Il te reste un soulier tu fais, Ah ben oui, je suis tout nu avec un soulier. <laughs> oui. oui. Ou que l'autre fait comme. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une manée, je raconte tout ça. On est, on, mis le pied. C'est le segment Eros et compagnie. Ok, je le raconte Je peux dire c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un tu connais. C'est un gars que je connais. Ouais. C'est bien le, ouais, le, de le, de le gars de la C'est le cousin de le gars de la SACU. Ouais. Ok, ce gars là un ouais, moment donné ouais, ouais. il prenait des antidépresseurs, ça retardait ouais. son éjaculation. Ouais. Tu sais c'est connu que ça fait ça. Et euh, il était avec une demoiselle qui connaissait pas beaucoup. Ok. Puis il, il était en deux relations. Oui. Fait qu'il a besoin de rebooster sa confiance. Ouais. Fait qu'à un moment donné, cette personne-là, ça fait genre trois heures qu'il faisait du sexe. Okay. Puis qu'il essayait tout. Puis qu'il voyait que la demoiselle aussi, a commencé à être un peu euh, tannée. Oui, oui. Elle fait le tour de ça. Elle ouais. fait écoute, gars, je veux bien t'aider, <laughs> mais euh, moi, ça fait 150 fois, puis toi, pas ouais. une fois. tu sais. » Et un moment donné, je fais écoute, c est, c est, ben, la personne a dit écoute, c'est les médicaments qui font ça, c'est pas toi. Ouais, puis ouais. la personne a fait ok, mais là, là j'ai faim, man, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé au but de l'eau. Fait que j'ai vu une personne se lever tout nu. Fait ah, wouh! Genre trop tanné de baiser. <laughs> le gars était dans le lit, puis il a vu la fille s'ouvrir son frigo, puis mangeait à même un Tupperware du macaroni chinois froid. Ça, <laughs> C'est tough, là, mon gars, ton affaire! Tu sais, comment on peut arrêter aussi, là? Faut que je prenne des forces, man. Faut que je prenne des forces. Et la fille mangeait du macaroni chinois. Ah, C'est pris des protéines! C'est pris des protéines. Il même le lait. Ok, on est tombé! <laughs> J'ai vécu ça, <laughs> T'es-tu venu? Ah, oui, oui, ça, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris de ma carrière hey. chinoise. Solidarité. Euh, tous ces garçons et filles qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu besoin d'un et que ça soit diminuer leur libido ou... Ouais. Des fois, ça augmente ta libido, mais ça retarde l'éjaculation ou l'orgasme. Fait que tu peux faire l'amour pendant deux heures, ouais. avoir du plaisir et ne juste pas atteindre le climax. Fait que tu développes ce que c'est. Et c'est là je pense qu'une complicité de couple, ça peut être nice parce que tu développes que, hey, l'orgasme n'est pas nécessairement le point... Final d'une relation sexuelle. Il peut avoir beaucoup de plaisir à travers tout ça. Oui. Fait qu'à un c'est ce que le gars a eu pas le choix de développer. <laughs> hey, tu peux même t'arrêter pour une colasse. <laughs> — Tu peux t'arrêter de manger un macarène chinois. <laughs> hey, le lait amène la main. Mm. La pinte. La pinte là, une fille à côté, ça frigo. Une très belle demoiselle qui avait l'air de mon cousin de, de la construction, qui est soufflée, qui a besoin de manger du macaron chinois en chacun de la main. quoi, là? Oh, my bon, God! — le Ok, je m'en viens. <laughs> Dans mon âme, c'est pas vrai que m'en laisser un chez nous, dans mon lit, pas fini, man. C'est pas vrai. <laughs> c'est <laughs> <micro -dème. rire> ben, On salue son courage. On salue sa force et sa détermination. Oui. J'espère qu'elle va devenir de première ministre, cette femme-là. Parce qu'elle amène des projets à terme. À terme. Oh, oui, est à oui. Elle aura. Elle l a, a. Je suis pas capable de te regarder sans pourri. <laughs> <'il> <laughs> avec le Jurassic Park et avec <laughs> C'est <ça. rire> incroyable. Un stumber Party, cochon. Mon... <rire> <rire> avec toi derrière, avec les gars. Avec... Les gars, tu te en disant Je suis plus sûr. <laughs> c'est parfait, c'est parfait. Okay. Alors, une date. On lit la date d'un auditeur ou d'une auditrice. C'est une auditrice. Une auditrice. <laughs> OK sainte fois, automne 2014. Oh, elle, elle s'est forcée. Ouais, ouais, oui, c'est ça. C'est <laughs> okay. essai, j'adore ça. Ouais. J'ai 22 ans. Un soir, dans mon 1,5 rue Belmont, je décide de m'inscrire sur Badou. Tu tu sur Badou? J'ai essayé okay. 24 heures. Okay. Tu as essayé mon Non. Okay. Mais j'ai un couple d'amis qui se sont rencontrés sur Badou. Bravo. Bravo. En quête de trouver l'amour. I know, j'étais bien naïve dans le temps. En quelques minutes, je crée mon profil, puis les notifications testostérone se mettent à déferler dans mon téléphone. Je commence pa à parler à un certain, hum, appelons-le, Kevin. Kevin et moi commençons à discuter, puis le fruit de cette conversation mène à une invitation à souper le soir même. Je commence donc à me préparer, épilation complète ouais ouais. <laughs> ou pas, dépendant comment vous êtes, mais bon, pas. Je texte mon amie pour qu'elle le sache. Elle viendra me chercher si jamais je dois fuir. Oui, les femmes font ça souvent. Toi, tu sais ben, pas ça, mais euh, souvent, ils se donnent. Ouais, ouais, j'ai une, une, une... Ouais, une date, je sais pas si le gars est correct. C'est pas loin de chez vous, c'est si quoi que ce soit, je peux te, te texter. Mm -hmm. Ouais, je trouve ça fair. Let's go. Fair enough. J'attends donc Kevin, assise dans les escaliers du bloc. Je le vois arriver à bord de sa Honda Civic 2003 rouge délavé. J'embarque. <laughs> J'embarque! <Jean> <laughs> 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 des fois, euh, j'écris des dates. <laughs> Kevin me fait la bise, puis nous partons pour son appartement. En chemin, je découvre que Kevin a une genre de tout ou un tic qui sonne comme une chouette sur la brosse. Je ne sais pas ce qu'une chouette ouais, sur la brosse fait. Bah ben, le réexpliquer. — Ok. Ouais. Chaque fois qu'il le fait, ça prend tout mon petit change pour ne pas mourir de rire. À la fin du trajet, je me fais l'idée d'entendre ce très présent son toute la veille. On s'arrête dans une rue résidentielle de Charlebourg. Kevin m'installe au salon pendant qu'il prépare le souper. Après un temps, il m'invite à table, entre deux hoquets okay, de perruche en fin de vie. <laughs> Il me dit "J'espère que t'aimes la fondue." "Oh oui! Avec de la viande d'orignal? Tabarnak, j'ai ça de la viande de bois. <laughs> Je suis une gaspésienne défectueuse. Je m'endure et mange ce qu'il a préparé. Entre deux baguettes de cervidé, Kevin me raconte ses exploits comme lancer un gars à travers la vide de salon de ses parents. Faire des courses. J'adore <laughs> c'est pas <laughs> go go je l'aime pourquoi ah oh, oh, t'es passé à côté, à côté du, du père de tes enfants yo yo lui il se bat man je l'aime faire des tu courses connais. à 200 km à l'heure sur Laurentienne ton frère a fait ça je avoir te fait du oui, avoir fait du crowd diving à un show de cire pathétique <laughs> <laughs> non, 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 non. Oh, non je l'aime, ce gars-là. Il pense me séduire, pauvre enfant. Clairement pas le genre que ma mère veut. Mais tu sais, ça reste que pour une nuit, je pourrais endurer le chant du coq en puberté. Oh là, c'est forcé. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien raité. Après le souper, on s'installe devant le hockey. Mon petit merle effarouché. est farouché. J'adore à tous les oiseaux. juste souligner qu'il y a une date, il y a Calis devant ouais, game du Canadien ouais, là. Ouais, ouais. peu ouais. <laughs> <Ouais, ouais. rire> ouais, ouais. Ordinaire ouais, ouais. là. Moi je suis un grand fan mais je ferai pas ça. Montréal Columbus, faut pas manquer ça là. Même. <laughs> un mardi soir, <laughs> février. Non, c'était pas février, c'était novembre ça. C'était, je retourne automne 2014. Début de saison. <laughs> Début de saison le en. vrai, tu as raison. « Ok, mon petit merle effarouché texte sur son cellulaire. Assez longtemps pour que ça me gosse. » Et là, il me sort cette phrase distinguée. « Ouais, hein, j'ai un chumé au DAG qui m'attend. Penses-tu que quelqu'un peut venir te chercher? Oh, » tabarnak, les gars je, je, ce gars-là, c'est la mascotte de Québec. C'est comme l'idée que je me fais de Québec. Oh. Il, il est violent. Il aime ses pathétiques. Il écoute, là, OK. Il va aller au il DAC et va... il demande qu'elle trouve son propre lift, C'est awesome impossible, impossible d'être aussi corné. je lui dis oui et texte mon ami, pas de réponse, j'appelle boîte vocale, on saura plus tard qu'elle s'est endormi. Kevin commence à s'impatienter je le sais, son tic augmente je commence à angoisser je ne connais pas le coin, je suis à pied et il y a plus de bus à cette heure-là et je suis beaucoup trop pauvre pour me payer un taxi, je texte tous mes amis collègues que je pense debout à cette heure Je veux juste il y a une voiture, hein, puis qui peut la ramener oh, chez lui ouais mais lui, style le gars est au dague il est au aller, dag, man, go. Après quelques minutes qui me paraissent une vie, une collègue me répond Je m'en viens, je suis à un party de famille plate, puis je, je veux m'en aller. Yes, je suis sauvée. Je lui donne l'adresse. Ma corneille qui, au cri de guillotine tente de me faire la conversation en cachant trop mal son impatience. Ma collègue arrive enfin à la hâte. Je dis au revoir à Kevin, le quotient de fougère, dévoile les escaliers et me dirige vers l'auto. Une fois à l'intérieur, je cherche mon téléphone dans ma sacoche en vain. Ma collègue m'appelle Aucun son. Ben oui, il est resté en haut, calice. Je sors de l'auto et me dirige vers les escaliers. Maître Corbeau, au champ un <laughs> peu trop perché, sort en wow. brandissant son, mon cellulaire. De courtes retrouvailles malaisantes, puis le téléphone trouve le fond de ma sacoche. Je remonte dans l'auto, puis on se dirige vers chez moi. Encore ébranlé par le spécimen, je me brosse les dents et vais me coucher. Vers 3h45, je reçois un texto non, de Kevin. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non, il n'a pas fait ça. Oui. Tout endormi. Je fais des dagues. Je le lis. Deux points. Viens, tu dormir? <laughs> Let's go! Oh, je cautionne tout ce qu'elle a fait. Non. Je cautionne tout. Je ris fort puis me recouche. Fin. <laughs> oh, j'aime tout ce que là. pourquoi j'essaye de changer le monde. Moi. <laughs> J'aime tout, Pourquoi tout, ce de, oh, tout aucun, de, ben... de ce gars-là. J'essaye oh, de conscientiser. Ah, j'aime tout de ce gars-là. J'aime mais j'aime tout, 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 tout. Pourquoi t'existes, man? Pourquoi t'existes? C'est. À euh... quel point tes parents t'ont pas élevé, ta C'est bon. Puis plus, c'est 3h45. Il est sorti du bar, Il était allé manger une poutine. Ouais, ouais, ouais. Puis il fait, bah, vous me mettez. Moi, si, euh... La fille, la fille, j'ai goûté la fille qui hockey. Puis après, ça suite, J'ai fait de l'orignal, le gros. Puis il pas C'est vrai, hein ils mangé de la fondue. Ok, une autre petite date. Voilà. Ah oui, parce que c'est des bonnes dates. Ah mais juste, on va parler de ce gars-là. Waouh. Parce que ça sous-entend que ça marche des fois. Oui, oui, oui oh. parce que s'il le fait, fait, fait. Ouais. Ah, oui. ouais, me dire, va ouais, ouais. mener. Tu sais, des fois, on croise une bonne fille, là, on jase avec cette bonne fille-là, puis elle fait, ben moi les gars, je leur fais pas confiance. C'est moi tous les gars dans mon entourage sont smart. C'est à cause de des gars comme ça. J'ai mmh. déjà mmh. été un peu de mec des filles. Non, va chier. <laughs> t'as oui, été... pas fait de manger de l'origine. Non, 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 je te connais, t'as pas été comme ça. Tu le connais. <laughs> Tu as déjà fait une date de fondue en tout cas. Oui, une date de fondue c'est pas la fin du monde. Ouais. Mais... un peu. <laughs> je n'en suis J'suis pas si pire, mais je... tu connais, non arrête Thomas, t'es pas comme ça puis je le sais. Je suis plus le même. Mais pour, j'ai déjà été. Oh, ouais. T'as déjà été un mauvais euh, hook up. Bien sûr. Est-ce que t'es un, un hook up malaisant? J'ai aucune misère à le croire. <laughs> Est-ce que t'es un mauvais hook up? On pas pour qui. On est, ça, on ouais, est pas pour côté. qui. La vie c'est long. Moi je vais pas être ici à me faire croire que toutes les femmes qui ont une intimité avec moi sont contentes puis sont été comblées. Ils ont rempli sais. la petite carte en sortant, ouais. ils l'ont mis dans le bois, puis en fait c'était <laughs> ouais. incroyable! Je jouerais pas les à ça. La salle de bain était Et... propre, bonhomme je sourire! <laughs> je jouerais pas à ça, Je jouerais pas oh, à ça! Oh. Je peux pas! Bon. OK, je vais enchaîner avec une autre date. Voici mon histoire de date la plus malaisante. Je commence à parler avec ce gars sur Instagram. On <laughs> oh, fait du dirty gars, talk voilà. ensemble. On se rend compte qu'on a plein de points communs et on décide de se rencontrer. COVID oblige, nous allons prendre une marche. C'est ça récent. Ça. Il m'invite à aller chez lui et tout. Le gars n'est pas trop mon genre, mais je me dis, hey, je me suis pas déplacé là pour rien. Et ça fait pas 24 heures que je prends soin <laughs> de ma ça. peau. Exactement. Point noir. Ma, ma règle en date, si le gars. Ma règle en date, si le gars a du potentiel, je couche pas avec le premier soir. Autrement, je couche avec. Quelle loi exceptionnelle! oui, genre, écoute, je le reverrai plus, me dérange pas. T'es me croiser chez nous, moi, me croiser avec son zizi, C'est Mais par contre, s'il est important, tu sortis, je comprends pas. Ben ouais, pour faire durer le plaisir, apprendre à la connaître. spécial. On aurait dû faire ça, mon amour.

« Ok, moi, tout de suite, je prends ça pour un challenge. Je suis compétitive. Nous commençons et quelques minutes plus tard, je lui donne un orgasme. Merci. Il se met à trembler. Je me dis que j'étais solide à soir, faut croire. Le <laughs> gars se met à pleurer et convulser. La grosse crise de panique. Il non, ne peut, peut il plus le respirer de pénis, <laughs> et pleure. Moi, je suis à côté, nu comme un verre à tenter de faire de la pleine conscience avec lui. Rien à faire. Il me dit que c'est des choses... De la pleine conscience, j'en ai pleine conscience. Oui, je sais, je sais. Regarde-moi. Mais... Tu es collant, tu es collant, il y, <laughs> de de il y en a dans ton poil de bas de vente. Il y en a dans ton poil de bas de vente. Tes doigts sont le vieux G.I. Joe, tu touché un condom. T'es là, T'es dans la réalité, T'es avec moi, T'es pleinement conscient. <laughs> Tu peux vivre avec quelqu'un en relation mais oui, amoureuse. Mais, oui. mais là, tout ce qu'on fait, c'est parler sur, mmh. ouais, là, sur Tinder, un peu là. sur Instagram et autres. Mais sur pauvre Instagram. gars. La grosse crise de panique et de confiance. Quand il est, est, est plus venu, es venu ça pleure. va bien. OK, peine confiance, rien à faire. Il me dit que c'est des choses qui lui arrivent souvent et que ça va <rire> passer. <rire> je, je lui mets une émission sur Netflix qui s'appelle Tiny Creature. <laughs> c'est quoi ça? Golly, elle, 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 par contre, je l'adore. C'est une super femme. <laughs> Essayez de lui changer les idées, rien ne marche. Il commence à me raconter ses traumatismes d'enfance en détail. À un moment, il me dit que je suis mieux de partir. Je ne demandais pas mieux. Le lendemain... <laughs> Pourrais-tu s'en aller <laughs> sans problème, bro? D'accord, d'accord. J'ai la main à la Je sais <laughs> ce que je faisais. Le lendemain, je lui écris savoir s'il va mieux. J'ai pas envie d'être la dernière personne à l'avoir vu et qu'on retrouve son corps couvert de mon ADN et de sperme. Il a fini par me répondre qu'il était OK. Après que j'ai dû insister un peu, j'ai même eu de nouvelles après. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de faire des One night. Wow! Elle a retiré quelque chose de ça. Ouais, puis... T'sais, pour avoir fait beaucoup d'attaques de panique, c'est le fun que quelqu'un prenne soin de toi, mais quelqu'un que tu connais pas, c'est malaisant. Tu sais, J'ai comme pitié pour le gars, puis elle en même temps, de faire dans quelle situation je me suis retrouvé. Hein. Le gars, il tremble, j'essaie de tenir les mains, puis je lui un petit truc de documentaire hey. sur Netflix. <laughs> un truc qu'on n'a pas mentionné. Elle est pas venue. Ou peut-être. Peut-être, on, peut on sait pas. Ben, elle a dit, je lui ai donné un orgasme. Ouais. Fait que... Ça, ça veut dire qu'elle le sait. Ouais. Ça, sent, ah, ça se sent, ça se sent. Ouais, ouais. Ça se sent qu'elle le C, ouais, ouais, là, puis là, il est, il est déjà venu. Ouais. Ouais, puis là, il est dans va. le bain. <laughs> puis si de la pleine Ça l'a cassé. Elle, a, elle est mouillée, elle est qui gonflée. Elle <laughs> passe à son tour. Ouais. A... Ben regarde-moi! Là, là regarde-moi. tout ton cœur bat vite, moi, le mien, il bat dans mon clit. Okay? Là, là, on ah, est dans la même longueur. On est dans la même longueur. On donc. connecte. J'ai gonflé, Fais quelque chose. Léchouille, tapote. Donne une pichenote. Mais là... Ah. Oh. Tu date? Oui, ouais, on t'en fout, on t'en ouais, Ok. À la fin des sessions de Cégep, mes amis et moi avions l'habitude de louer un chalet dans lequel nous organisions un gros parti. Oh, oui, cette histoire-là. J'ai donc invité une collègue de travail un gars qui, parle en okay, qui me plaisait bien dans l'espoir qu'il y ait des rapprochements. À la fin du party, je suis tellement sous que j'arrive à peine à me rendre jusqu'à la chambre que je partage avec elle. Je me couche sur un lit, elle se couche dans l'autre lit, je m'endors rapidement. Une semaine plus tard, cette même collègue m'invite chez elle pour prendre un verre. Une fois sur place, les choses escaladent rapidement. Nous allons directement à sa chambre pour baiser, mais je viens assez vite. Je lui présente mes excuses prétextant que ça m'arrive parfois lorsque c'est la première fois avec une femme. Elle me regarde avec un regard perplexe. Perplexe et m'apprend qu'on a baisé ensemble au chalet, au chalet la semaine précédente. Elle oui. me raconte que en pleine nuit, je suis allé dans son lit pour la, pour la baiser, quote, férocement. End quote. Je n'ai aucun souvenir de ça. Comme j'étais pas mal somnambule quand j'étais jeune, je me dis que c'est plausible. Je commence donc à paniquer. <laughs> Elle me je rassure. Suis le choc. <laughs> c'est trop bon Le gars, il soulait. <laughs> il se réveillait, il apprenait comme il ne l'a jamais prise, elle a tripé. Lui, il se rend compte de rien. Je commence donc à paniquer <laughs> mais elle me rassure, elle a adoré ça. Elle voudrait même que je sois plus dominant avec elle. <laughs> mais est elle pas était, pas sa comme, elle était comme était comme, comme si. la semaine passée mais pas même une coche de plus. Est pas à base le gars c'est pas ça qui. Est il est ça. doux, il vient rapide, là il a ramassé mon gars comme un Spartiate là. <laughs> Elle était sur le bord de prailler, tout. elle, de le magasin s'est faite par là, elle, parler, elle, ah, elle, elle craquette partout. J'aime tellement ça. On s'est fréquenté, fréquenté pendant quelques mois. Il m'arrivait d'avoir d'autres épisodes de baise pendant mon sommeil, surtout quand j'étais stressé au sou. Une fois, je me suis même réveillée en plein milieu. Le problème, c'est qu'elle semblait davantage satisfaite par mon moi endormi que par mon moi éveillé. Ah, c'est trop, ça c'est vraiment difficile. Apparemment, mon degré de domination variait drastiquement en fonction de mon état. Elle m'aimait mieux quand j'étais son sexy somnambule. Ah oh, mon dieu j'aime ça! il hey, y, y a une nouvelle érotique à faire avec ça là. Ah, oui, 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 oui. <laughs> c'est clair. cest tu comme Dr Jekyll, Mr Hyde? c'est ouais, ça, c'est exactement ça. J'avais vraiment de la misère à dealer avec ça, alors je l'ai laissé. Depuis ce temps, j'ai fait beaucoup de thérapie pour réduire mon anxiété et j'ai arrêté de boire. Mes épisodes ont cessé, mais je suis encore un peu nerveux quand je vais coucher chez des amis. Oh, oh, il y a même une tout belle tout fin ouverte oui, et drôle. Oh, C'est très bien. Hey, les gens vous écrivent des histoires, puis je trouve ça bien writé. Les, les, nos, nos fans sont extraordinaires. Pour vrai, oui. Ouais. C'était super bien écrit. Ouais. J'ai été somnambule, moi, quand j'étais petit, mais au lieu de baiser sauvagement euh, quelqu'un, je pissais sur la poubelle de la, <laughs> de la cuisine devant mes parents oh. et je leur disais que... Euh, je... euh, OK, il faut remettre en contexte, parce que ma phrase va paraître wrong. C'est qu'on avait regardé « Ils dansent avec les loups ». OK. okay? <laughs> et je suis allé me coucher puis c'est là que j'ai commencé à faire du somnambulisme. Je ne sais pas si c'est Kevin Costner ou... Non, c'est Kevin Costner. Ouais, ouais. Et oui. je me suis réveillé la nuit... Et je, ma mère a dit Tu pissais sur la poubelle. En hurlant. Et tu loup. nous regardais. Tu disais Les Indiens vont tous voler <laughs> nos chevaux. Les Indiens vont tous voler nos chevaux. Et mes parents m'en parlent encore aujourd'hui. Parce que ça a duré des mois et des mois où je disais que les peaux rouges étaient en train de voler nos choses. Et je faisais pipi. Oh. <laughs> je te le jure que c'est vrai si ma mère peut, est... tu peux pas inventer ça si ma mère était là elle dirait oh mon dieu il raconte ok ah, puis à un moment donné genre d'affaire gênante elle raconte des fois à des amis que je suis dit, oh, non non dis-le pas là, hey, même ta mère elle raconte oh. des trucs. oh man attends là elle raconte tout des fois puis je suis comme ok c'est plus mon père hey, l'autre fois ok j'ai daté quelqu'un dernièrement pas longtemps mais vraiment une chic fille que les deux on s'est bien aimés, puis ça a juste pas fonctionné puis on s'est dit au revoir les deux et je l'ai quand même présenté à mes parents ça faisait quelques mois. Et pour la première fois, on est chez nous et on est en train de manger. Et j'explique que je, 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 Jules c'est mon plus jeune de mes deux fils, est dans une phase où il, il veut juste me confronter tout okay. le temps. Ouais. Fait que ma mère me conseille, tu sais, comme une bonne maman qui a eu cinq enfants, qui fait Oui, mais laisse-le aller un petit peu, laisse-lui du terrain, il a besoin de confronter pour se définir. chicane mais pas tout de suite. Laisse... Mon père dit Oui, oh, il dit Nous hey, c'est une bonne idée, hein, on l'a laissé euh, nous confronter jusqu'à temps que tu chies dans ta couche puis tu dessines partout sur ton meuble, hein. Quoi? Et ma mère, « Daniel, franchement. Disons, mais c'est vrai, c'est pas grave qu'on raconte ça. <laughs> c'est le premier souper d'une demoiselle Marie. Je là la... Et il, il raconte, il disons, oui, Jonathan, il avait, fait un... il avait fait dans sa couche, il est allé en cachette, puis il sortait ça, puis il peinturait sur oh, les... oui. le meuble. C'est un artiste hein? <laughs> Ah! Il essaie de faire des blagues. Mais sont bonnes! Ah moi, mais so bonnes! So bon. Et je mange des crudités puis je me dis c'est la première fois que puis comme ah t'as fait ça mais bon, euh. <laughs> quand j'avais deux ans tu sais c'est comme Chris j'en ai 38 là je ne fais plus ça ça va aller on a gardé une photo de son dessin, dessin regarde, regarde. c'est beau oh, ah c'est génial que aimes-tu les beaux-parents ah oui attends j'ai jamais eu de beaux-parents qui m'aimaient pas j'ai dit ça, mais à ta minute là. <laughs> Peut-être après les ruptures, tu sais. Oh oui, tu oui, je oui. ah, ah, ah oui, toi c'est, jamais, Toi c'est difficile parce que t'as, as encore des beaux parents qui t'ont une relation. Ben oui. J'ai des enfants. Plus avec. Oh, c'est wow. si, si je vous le souhaite pas, mais mettons. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que mettons. Imagine, tu es avec Steph, ça, tu rencontres une, une autre demoiselle, tu tombes en amour avec l'autre demoiselle, tu quittes la demoiselle, ton ex t'en veut pas parce que votre couple était déjà à la fin de tout cela. Ça, je peux et, pas imaginer ça. Et sept ans plus tard, avec cette autre blonde-là, <laughs> tu fais un autre enfant parce que mm -hmm. vous décidez de former une famille. Mm -hmm. Puis les deux sont en bon terme avec. Mm -hmm. Tu sais, moi, le, euh, mon ex, ben c'est drôle à dire, mais mon ex, la maman de Xavier, avec qui j'étais 9 ans, était en super bon terme avec Léa, mm -hmm. qui était ma conjointe. Et même qu'elle allait ensemble au rock et du petit, euh, Léa s'impliquait beaucoup, beaucoup dans la vie de Xavier, c'était comme sa ouais, deuxième mère. Ben oui. Et à un moment donné, tu fais comme Wow, t'es vraiment une bonne maman. Puis elle J'aimerais ça être maman aussi. Je sais que t'en as déjà un avec quelqu'un, mais tu fais comme, Oui, 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 mais pourrait, oui, il y en a plein qui refont leur vie. Puis que, fait qu'on a eu un enfant ensemble et quelques années plus tard, c'est elle qui me laissé. T'sais. Fait que là, je me retrouve avec deux mamans et deux enfants. Fait mm -hmm. Ça a été moi un échité dans ma vie dernièrement. J'ai fait, oh, je suis un domaine, un loser, j'ai deux mamans, deux. Fait que, et en, mes, mes enfants ont encore leurs grands-parents, tu comprends? Mm -hmm. fait que ça me fait beaucoup de grands-parents et de beaux-parents encore à côtoyer. Mm -hmm. comme, mm -hmm. Dernièrement, je me suis pointé au match de baseball de Xavier, avant qu'il se fasse opérer, et il y avait les parents de Caro, avec mm -hmm. qui je suis en méga bon terme. Mm -hmm. Mais t'arrives là avec ta nouvelle blonde fait qu'ils font, bah, and out! Mais uh... non, j'ai eu genre trois blondes en 18 ans, là. On relaxe, là. <laughs> tu comprends, le. le ouais. womanizer! Et <laughs> là! La Fait que, tu sais. Ouais. je comprends. Fait que, oui, je côtoie des beaux-parents énormément. Puis, ils m'ont tout le temps aimé en, hein, je crois. Peut-être moins quand on s'était séparés. Ou, tu sais, un peu ouais. moins, j'imagine. Un peu moins, oui. Mais. Ouais, je pense que je suis gentil. Ouais. J'en doute pas. J'ai un look de gars qui tape des poches de mulot sur un mur, mais. <laughs> Je le sais que... Ouais, mais dès qu'on qu t'entend parler, dès qu'on voit ta vibe, on voit bien que... Je ne suis pas méchant. Du ben oui, ouais, exact. Hein. exact. Exact. Ouais. J'ai pas cette relation-là, avec les beaux-parents. Moi, je euh, t'ai le... vu, toi. Et on, on a fait un spectacle ensemble. Je pense que c'était tes parents qui étaient là, ton beau-père. Non, ah, oh, il était là quand j'avais du trouble avec ta mère. Ah! Quand <laughs> ta mère tu es... es allé dire devant tout le monde. Moi j'étais dans un glory hole, je sais pas trop. Tu parlais, tu sucer une <laughs> graine. Ma mère était la... la soirée du mot, ma mère était là? Ouais. Ok, ouais, oui. J'ai fait un nombre, je faisais okay, un number ce soir-là, ouais. Okay. Je faisais avec toi. Tu puis... disais ah, mes beaux parents sont là, là c'est ça, je suçais des graines, me cherchais. Puis je disais, <laughs> ah, ah ça J'ai pas pensé. Non, mais je me souviens qu'il y avait quand même eu vraiment un beau oh, moment, il y avait un bon moment parce que j'étais enceinte. Oui, ouais. t'étais enceinte à l'époque, ouais. Puis euh, tu avais demandé est-ce que tu penses que je vais être un bon père. Puis était comme Oui, vraiment, ouais. t'es plein ouais. d'amour. Ah, C'était un, ouais. un beau moment, ça. C'était très beau. C'est un beau moment. Juste vois? après que t'aies dit. J'aimerais ça manger des graines dans un glory oh. Non, c'est l'inverse. C'est moi je me fais sucer dans un glory hole. C'est oh. ça, toi tu te fais sucer dans un glory oui. hole. Oh. Puis j'ai su que j'étais hétéro parce que quand je me fais sucer par des hommes, je lui la le poignée de seins. Ouais, c'est ça, il te manquait quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. Mais as des assis. fois il y avait quelque chose à poigner. <laughs> ouais, ouais, ouais. <laughs> ah, ah, c'est ça. j'ai fait du crawl avec avec la mère de Steph puis elle a embarqué, puis elle oh, oui, oui, est ben, oh ah oh oui, ça m'avait euh, traumatisé Puis que je me disais moi oh, j'ai une bonne relation. Hein. <laughs> c'est parfait, man. C'est sûr, c'était à bord en disant Moi, de dans un glory hole, juste avant de rencontrer votre fille un homme me succède. J'ai d'ailleurs encore une écharpe de ah. sur... <laughs> ça. Je te cache que pas euh, Lucie que ça m'arrive des fois de me rappeler l'époque où <laughs> moi j'ai jamais <laughs> mature en, fait. Mais en plus pour connaître <laughs> la mère à cette tête, pas de même, tu sais. <laughs> elle est plutôt réservée. Être son époque Elle est une conservatrice, c'est peut-être pas le genre de chose qu'il faut y. Dire. <laughs> Mais non, tu vois, ça l'ouvre à toutes sortes de choses. Mmh. Hein, oui, depuis place. ce temps-là, à, la... à vos club échangistes. C'est oui. parfait. Oui, parfait. Elle regarde d'intro et <laughs> ouais. dit <non. rire> <Ouais, yo. Tant rire> Moi, il a dit qu'il y avait quelque chose de ça. <laughs> Il y a quoi que qu'il m'a poqué là et moi, je suis allé <laughs> pour regarder quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 il voit qu'il met mon do son doigt dans mon œil Ça sent pas bon. Oh. Ça sent oh. le clap. Ah. Ça sent très <laughs> fort. Moi, ici? je suis jamais allée dans un club échangiste, mais vous deux, oui. OK, mmh. oui. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le, le chlore parce qu'il y a une piscine. Ouais. Il y a une piscine et euh... il euh, y a beaucoup de, de, de cochonneries dans la piscine, ça fait, fait il faut il mettre, mettre du chlore. <laughs> oui, ils en mettent beaucoup, beaucoup. Ouais. <laughs> ça sent le chlore. Euh, ça sent le, les, le désinfectant beaucoup. Moi, je okay. trouve. Je suis allé là une, deux, trois fois dans ma vie. Genre l'eau de Javel. Oui, genre, tu sais, comme. Moi, je suis allé à deux places. Et les deux places que j'ai vues, j'ai trouvé ça très propre. OK. J'ai été surpris. OK. Est-ce que les gens qui y étaient. Il y a une place où je suis allé, c'était très propre, très clean, du beau monde. Okay. L'autre place, comme j'ai déjà dit à Thomas, mon gars préféré de toi, qui est... Qu'un club échangiste, je pense que c'est comme Ice White Shot. Ce ouais. l'est pas. Non. C'est comme la place Versailles, le mercredi à 3h. C'est en plein ça. <laughs> euh, j'ai un nouveau gag... tag, c'est qu'il y a même le vieux monsieur qui boit du café. Oui, c'est <laughs> vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est tellement ça. Puis moi, dans ma tête, avec la demoiselle qui qu'on avait été là, c'était comme, hey, on n'échange on, on pas, on regarde, juste comme... Le trip. on voit le mood d'un peu. Oh oui, ok. On, on, on s'est fait notre petite liste de Hey, j'aurais aimé ça voir ça, j'aurais aimé ça faire ça, j'aurais aimé ça On avait une belle complicité, mm -hmm. on décide d'y aller. Et assis là, tu fais comme Oh Oh, on est les plus jeunes. Oh, ok. Mm -hmm. De loin. De loin les plus jeunes. Putain. Putain. Quelqu'un te parle de sa vie sexuelle, t'as l'ouverture d'esprit. Oui. L'avoir, c'est une, une autre affaire. C'est autre chose, oui. une autre chose. L'arnifler ouais, ouais, aussi. Oui. Ouais. Oui, oui. Mais tout ce que tu me racontes, je suis content. que Tu me racontes. À être là, je sais pas. Oui. Et après ça, on tu est sais, pas dans Tu sais, moi, j'ai vu une femme promener son homme en laisse. Pas cette ouverture-là. Non. Moi, j'ai vu des gens d'exemple bébé. Ils se faisaient il punir. Et moi, j'aime ça. Est-ce qu'ils faisaient des dessins avec leur caca? <laughs> ah, on te donne le killer de l'épisode. On veut pas toper ce que tu viens de faire. Là. Si tu me laissais ton numéro de téléphone, certain. 514! 514! <laughs> <laughs> Dérange pas si t'écrans jaune, autre un peu. <laughs> Beaucoup de café. Mais <laughs> sacrément. T'as vraiment donné. le killer de l'épisode. C'est ben, Mais C'est comme Mon dieu que t'es drôle. <rire> Bravo. <rire> Bravo, c'était parfait. <laughs> et ouais, et une autre fois, on en parle à des amis, ah, on n'a pas aimé ça. Le monde était weird, euh, beaucoup de piercing dans le sourcil, Mettons, tu sais, maintenant on peut dire ça de même. Oui, <laughs> je comprends. <laughs> et et nos, nos amis disent ah mais t'as pas essayé de tel club, Puis, ouais. ah, ok c'est un peu plus raffiné, c'est plus tu veux du ice watch shot tu vas l'avoir là, tu et là on est dans à l'autre place, on a fait OK, ça existe. OK. C'est très classe. Faut que tu magasines ta place. Oui, je comprends. Oui, vraiment. Et là on est allé dans une place où je sais pas l'ambiance tout était beaucoup plus propre, beaucoup plus Et là, là c'était des, des gens que tu fais oh mon dieu, tout le monde me turn on ici. On va regarder, puis on va s'en aller après, mm -hmm. Nous c'est ça notre mm -hmm. okay. notre petit truc, c'était regarder, tu sais. Et on est allé, on a regardé, parce que surtout que je me faisais pointer du doigt. là. Ouais. Je suis connu. Ouais. Ah! Oh. que ça, c'était touché. Ouais. Fait que maintenant, avec l'individu avec qui j'étais, qui était toi, ça ne dérange pas que tout le monde le sache. Mais tu sais, moi, je comme... n'ai pas envie ouais. qu'on nous pointe du doigt pendant qu'on était sur un divan avec une coupe de champagne à regarder du monde baiser, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Fait que ça, ouais, je comprends, je comprends. Et puis. euh... <laughs> Monsieur, on va là, puis on va. Let's go! On va mon petit masque Et une manie. Michel, on, on, on va là, puis pendant qu'on fait un orgie. « Mon hey, il mesure 6 pieds ah! !»« ouais, ah! Il ressemble <laughs> pas tant à <'in>, Guillaume <laughs> Wagner !»« Un peu Guillaume Wagner. »« Guillaume !»« Je pensais que vous étiez pas couple ouvert !»« Ah oh, ouais !»« Ah oh, non !»« Fait que là, euh... ben... »« Raison de plus pour pas être couple ouvert, ça, on peut plus. »« <laughs> trop de gestion. Ouais, »« trop de gestion. »« Et ces endroits-là, c'est tout le temps louche. »« sais, c'est comme... »« Mais le meilleur club échangiste, il était sur Rosemont et Christophe Colomb. »« Au-dessus !» d'un exterminateur. exterminateur. Oui, 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 oui. c'était... Euh... Il y a déjà pogné en feu oh. et tout le monde était en serviette d'aurore. Ah oui, je connais <laughs> cette histoire-là. Les coquerelles et les gens. Ça... <laughs> 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 oh. Ce qui me fait Mais... beaucoup rire du truc d'être dehors, c'est un club échangiste. Souvent, il y en a un qui s'intègre plus que l'autre. Ouais, ouais. Mais ça veut dire que ce soir-là, il ah, y a du monde on leur tentait pas puis le feu a pogné puis il était tout nu l'hiver avec une serviette au coin de Rosemont qu'est-ce <laughs> oui, que tu de fait la dans le SO même ah, éclairé ah, par ah, le oh, SO oui, oui à jouer Oh my god Alors, Dorothée est une salope le groupe de punk rock rock garage qui existait 2000 jusqu'à 2015 ça à moi j'aime beaucoup beaucoup ce groupe là avaient fait leur lancement d'album là. Wow. C'était écœurant. Tout le monde était malaisé. Man, il y avait <laughs> des gens qui dansaient dans des. Puis autres, c'était ça qui était drôle aussi. Ouais. Le club était ouvert ce soir-là. Ok. Fait il y avait des journalistes, puis il y avait à l'époque Musique Plus, puis il y avait tout. Puis tout le monde était comme, OK, il y avait vraiment du monde. Là. <laughs> là, ça ça, ça s'en allait en haut, puis eux autres, ils jouaient là. Ils faisaient <laughs> leur lancement d'album là. Il y a des poupées gonflables partout sur la scène. Wow. Ça s'appelait Dorothée est une salope. J'aime beaucoup ce band-là. Vous googlerez. Ben oui. pas de faire. Spotify, je sais pas si sont sur Spotify ou... ils sont sur iTunes assurés. Ça mais trouve. Je... Mais, oh wow, ouais. quel lancement ouais, album très de cool. faire ça un soir où hiver du monde. En fait plus. Fait que là ils amènent leurs fans ouais. qui n'ont jamais été dans un club échangiste et ils imposent du gros rock garage punk Au... à la clientèle. à la clientèle. Oui. Fait que t'avais des, des Micheline avec des, non, des, des, des colliers qui allument dans le noir là tu sais. Oui. Ils dansent sa piste de danse en brassière puis qui qu te oh « Ça rock, c'est comme les Respectables. » Je disais, Non, c'est pas les Respectables. » euh, Et là, un moment donné, une des madames est venue me voir en faisant comme « Toi, est-ce que t'es avec le band ?» J'étais <laughs> assis, puis mon ex est à la salle de Je suis avec le band. »« Ok, puis est-ce que tu serais intéressé à aller prendre un verre avec mon mari et moi mm. ?» Non, désolé. Oh. » Et avec du recul, moi qui est allé... Voir comment c'était. Oui. Je me dis, elle a regardé partout, elle ne trouvait rien. Elle a dit, oh lui. Je m'arrive dit, oui, il paraît très bien, puis je serais à l'aise. Elle était contente d'avoir trouvé quelqu'un ben oui. pour elle dans cette mare de gens qui ne lui plaisaient pas. Puis moi, ben je l'ai reviré oui. de bord, la madame. Ben tu ne oui. t'entendais pas? Tu ne pas, c'est fou. Ben, ça nous arrive à tous de se faire dire non. Là. Je tu le vois, sais. Mais ça m'aurait tenté. Elle <laughs> était jolie, la madame. Jamais fait ça moi, une, hmm, une dame Mais, plus vieille? Non, c'est fait. Non, non. Okay, fait, ça... fait, fait, fait. <laughs> non, c'est on n'est pas ici pour mentir. Non, on ça, peut omettre des, des choses, on ne ah. peut pas mentir. C'est fait. C'est fait à un point où. Ah non, là, je ne vois pas. Ah ouais, ouais, comment Mais là, vas -y, vas -y, ça implique des gens. Je ne peux pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça implique des gens. Ça implique toujours des gens. Vas-y, 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 vas-y. Je le fais-tu Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben non, on nomme personne. Si pas à l'aise, tu le fais pas. Mais c'est encore mieux, c'est pas à l'aise. Ok, mais il faut que tu me promettes que ce pas ça l'extrait. Ben non, ben non ben non, ben non ben non, ben non. On mettra pas ça sur Facebook ni Instagram. S'il te temps. plaît. Il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. S'il te plaît. Oh, il a pas de problème. Okay. ok. Avec une demoiselle à un moment donné, alors que je me cherchais ouais. entre deux couples, on décide c'est la fois que je suis allé au club échangiste. Et moi, je lui dis je suis pas à l'aise que ma fréquentation se fasse rocker à côté de moi. Je ne suis pas bien avec ça. Pis ok, ben dis-moi je suis à l'aise si tu veux essayer avec quelqu'un pis tout. Pis okay. Et pendant que moi et elle, on est sur un divan, pis c'est pas très connu dans ce temps-là. Et on est sur un divan dans un coin, puis finalement il y a du bien beau monde, puis c'est excitant, puis c'est cool, Puis On est comme on le fait dessus, on le fait dessus pas, j'ai jamais fait ça, ok, puis c'est comme Fuck off, on le fait, puis au pire, ça sera fait, tu sais. là, on, on rit en faisant l'amour, tu sais. On est comme Ah je peux pas croire que quelqu'un garde mon cul pendant que je dis. Puis là elle rit Puis là. Je suis comme OK, bon, ça va te déconfiner. Pis. Là, elle m'a je sens une main dans mon dos. Yes. C'est une demoiselle d'un certain âge qui paraît quand même très bien. Une dame de bureau. <laughs> tu oui. comprends ce que je veux dire? Hein? Une ouais, oui, dame, ouais, ouais, dame ouais. de bureau. Bien sûr. Que Tu la regardes au bureau, tu te fais, elle n'est pas super belle, mais elle ça paraît bien. Mm -hmm. Mais Et ça ah, se fait. Elle est cochonne. Mm -hmm. on, on le flaire. Bien sûr. Elle se met à flatter le dos. Puis tu sais, des petites chatouilles avec ses longs ongles. Puis je suis comme, ça chatouille. <laughs> son mari vient s'allonger à côté de nous puis il se met à caresser la demoiselle pis j'étais à l'aise, j'ai dit « Tellement, là, on est, on est là, même. On est là. Mais tu sais, quand tu dis « Ça tente tout le temps plus à une personne qu'à l'autre », je pensais que ça tentait plus à moi qu'à elle, puis finalement, je pense que c'était elle qui l'a. Mm -hmm. J'étais son bouclier au début, puis là, c'était mm « -hmm. Là, moi, je suis wild, là. » Le couple, les deux en même temps, puis tu sais, là, j'étais comme « Ok, okay fais-le, Joe, es là, tu sais. » Fait que je me donne avec la dame, et tout le monde me dit « Oh mon Dieu, es une belle barbe pis des tattoos. » Puis elle arrêtait pas de tirer ça, <laughs> Tu sais, pour elle, j'étais un petit jeune à l'époque, ah oui. c'est il y a 10 ans. Tu sais, oui. 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 J'ai 28 ans. Puis elle n'a pas accès à ça, elle n'a pas accès à cette esthétique-là. Puis oui, ouais. c'est ouais. nouveau, en plus, oui. Donc ouais. là, c'est il y a 10 ans, et moi, je me dis, « Donzie, man. » Ah oui. « Donzie, t'es un gars somnambule. <laughs> » Oui! Tu comprends? Oui, <laughs> oui. Alors, honnêtement, je ne me rappelle pas avoir fait des prouesses autant que ça. Oh, OK tu sais ces prouesses là où tu te donnes à en parler du nez tellement que t'as chaud tu wow. t'es un petit bonhomme accroupi une jambe croche puis tu sais c'est que tu te donnes as fait toutes les positions avec le non, non, non. divan puis toute la patte tout, là, tout. Ça, ouais. je te flippe comme une crêpe mm -hmm. tu comprends je me donne mm -hmm. je le vis une fois dans ma vie ce contexte là on oh, va, va être Rocco, Freddy, tu comprends, je comprends. <laughs> et je me donne puis un moment donné la dame euh, aime beaucoup cela tu sais, ça oui ça s'exclame ça s'exclame oui j'ai besoin d'un parapluie tu comprends mm -hmm. et moi j'avais déjà fréquenté pendant des années une demoiselle comme ça fait que je savais vraiment mm -hmm. comment mm -hmm. faire j'utilise mon mm. savoir <laughs> <Ouais. rire> tu sais ça, ça pleure oui. tu comprends oui euh... oui et son mari il trouve pas ça le fun je pense ah oh, parce que peut-être lui il a pas réussi à faire ça bah ben oui et elle crie très très fort ça m'est jamais arrivé ah oh, non puis moi, je brasse les choses en me disant, tu vas la, la soirée de ta vie, tu sais. Mm -hmm, mm -hmm. Et je me dis, son mari se donne sur l'autre demoiselle, donc donne tout ce que t'as. Ouais. m'amener à crier très très fort, j'ai jamais joué de même de ma vie. Oh là là. elle arrête pas de me dire, mon Dieu que t'es beau, puis de m'embrasser. Puis moi, je suis comme pas un je recule ma face. wow, attends une minute, non. Oh, ouais. Fais pas l'amour, là. Et à un donné, le gars. Je fais juste me retourner et la fréquentation qui était venue avec moi là est juste couchée de côté. Puis elle fait Ben, as tu as besoin d'aide avec la dame Je vois Oui, oui. Fait qu'on est deux sur la dame. Et un monsieur avec les deux mains et ses hanches mal chercher de l'eau, moi. Oh. Fait que j'ai regardé la demoiselle que je fréquentais à l'époque. Puis j'ai fait Ah, on va arrêter. Ouais. C'est incroyable. Et la fille était comme Oh non, non, on continue. Puis yeah, c'était ben, je peux pas croire je raconte ça. <laughs> oh, C'est incroyable. <laughs> Mais bref, elle, je le sais que nous, on était deux à se donner vraiment beaucoup pour oui. qu'elle allait du plaisir. Oui. Et après ça, dans la voiture, je parlais avec la demoiselle qui me disait, écoute, lui, de c'était comme des bandettes. Il perdait oui. son érection. Il était plus oui. capable. Oui. Elle dit, il a dû voir sa femme avoir énormément de plaisir puis ça lui a fait mal au lieu de… Ben oui. oui. Fait oui. Que moi, je me sentais super mal parce que je me en ce moment, il y a une chicane de char dans une oui. en venant à la maison oui. parce qu'elle a quand même crié des affaires. Oui. Que moi, je me tente… Oh oui. Je ne suis pas le meilleur au lit. c'est pas ça que j'ai dit du tout, du tout, du tout. C'est juste que ça a bien fité. Oui, ouais. oh oui. Les mots ouais. sont bien fités avec elle, tu sais. Oui. Je me sentais vraiment pas bien pour l'homme. Mais un peu bien. Non, j'étais fier. Un fière. peu, un peu. C est, c est. On n'est pas là pour mentir. On non, tu es fier de ce que tu as fait parce que j'avais eu beaucoup de plaisir aussi ben oui. avec ouais. quelqu'un d'un certain âge. mais en disais que je voulais l'essayer. Mm. Ce pas la catégorie la plus recherchée pour rien sur Internet. Je comprends. Et là, j'avais quelqu'un avec qui c'était le fun, puis que la, la fréquentation avec qui j'étais n'était pas ma blonde, donc c'était cool. Ouais. Tout ça était, hey, je l'ai vis une fois dans ma vie. Pour toi, toutes les dynamiques fonctionnaient. Ouais, ouais. Moins pour, pour le lui, gars. Moi. moins pour le <laughs> gars, puis je me suis dit, mon Dieu, que ça doit faire mal. Sur le coup, j'étais comme, tiens, hey, t'as du fun, all right. j'ai du fun aussi, puis c'était comme, ouais, encore, là, me donne. Et que là, après ça, tu fais, mais pauvre monsieur. Ouais. Puis j'ai. Euh... Recroiser cette dame. Oh! C'est pourquoi je ne vois plus dans ce genre de place-là, on s'entend? Ouais. Moi, c'était des essais, je les ai faits, j'ai vécu mes traits. j'y Je n'y retourne plus. Et j'ai recroisé cette dame-là, par hasard, à la fête des mères, chez un fleuriste, où j'arrête d'acheter des fleurs pour ma mère avant un souper. Et je suis dans le line-up, puis à un moment donné, je fais... Oh, C'est elle en train de payer des fleurs. Et elle s'est retournée, puis elle a comme steppé. Un peu comme, ceux qui si vont comprendre le référent, Apollonia, lorsqu'elle croise Michael Corleone dans le port 1, oui. <laughs> qui tombe en amour, ils ont le coup de foudre, ils sont dans Cécile, tu sais, elle oui. se avec son petit panier. Oui. Wow, shit, genre. Les deux se ces regards, en fait, oh, elle fait « Salut, t'habites dans le coin? »« Oui, oui, oui. c'est la fête des mères. »« On t'a pas regardé de parler, c'est la fête des mères, je vais venu prendre des fleurs. »« Moi aussi. Bonne fête des mères. Merci. Bonne, bonne, bonne soirée. Oui, salut. » <laughs> Les deux là fait pas bien. Et là, j'ai texté cette fréquentation-là du passé. Ben oui, il faut Donc, en parler. Je viens de croiser la fameuse dame de Yacht des années. Incroyable. Et il était OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Un asti de fret, <laughs> hein? C'est malaise, hein? Elle a parti son char pour l'exploser. <laughs> <laughs> Référent <rire> du Godfather. <Les> <laughs> ah, ouais. C'était beau. <laughs> Beau, mais si mais euh, wow, oh c'est incroyable. Là, je me suis confié, solide que si un jour j'ai un podcast, vous venez, et vous devez déballer votre ça. C'est sûr, oh. mais oui, on va être oh là oui, bah Est-ce oui. que tu oh. penses repartir? Parce que là, tu as dit tantôt que t'avais eu un podcast. Est-ce hmm. que tu penses? Est-ce que t'aimerais en refaire un jour? Je devais en repartir un. Mes infographies étaient toutes faites. ça s'appelait Durcu. Ok. <laughs> euh, parce que je, je disais, je veux pas appeler ça badass parce que c'est trop en anglais. Fait que ouais. j'appelle ça Durcu. Ok. Et c'était 13 histoires. De gens que je trouve badass à travers l'histoire. Parce que moi, okay. je suis un maniaque de mm -hmm. faits historiques. Oui. Et puis, euh, j'avais trouvé des genre, des snipers de la Deuxième Guerre mondiale qui ont snipé 19 personnes. Alors, avant de dire c'est une grosse histoire qui n'a pas de sens. Puis, on a, toute l'infographie est fait, les posters on avait tout fait. Et j'ai reçu une offre de la radio ah. entre temps. Puis là, j'ai fait, ah hey, si, un une autre vague, là, il faut que je travaille. Là, là tu je viens de passer oh, 15 oh, 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 mois oui, à oui. faire des spectacles. Puis, puis, est, quoi, est cool, j'ai vu que c'est historique, mais <laughs> ben c'est temporel. Tu peux faire ouais, un an, deux et, ans. Et, et je l'ai dit publiquement, avec si quelqu'un le fait, tu fais, fuck you, bah oui, c'était ouais, mon concept. Ouais, ouais, l'idée là. Puis. Euh... Ouais, puis c'est fait avec un genre de brand très années 70, genre un muscle car, un peu à la deadproof, le film, mm -hmm. le poster, là. Ouais, ouais, ouais. Avec ma face de côté, un peu genre. Très là, cool. Nice! J'ai payé pour tout ça, l'équipement, tout est fait, l'infographe est et quand j'ai signé mon contrat de radio, mais eux, souvent, c'est, ben, tu sais, il ne faut pas que tu fasses de podcast pendant que t'as la radio. Puis, ce que je comprends, parce que je déteste cette, cette idéologie-là. Mais je comprends, mais en même temps, ils te payent pour être là, puis que les gens qui aiment ta voix, qui aiment t'entendre, qui aiment... Faut qu il faut qu'ils s'intonisent. Il faut cette... qu'ils s'intonisent. Au lieu de faire comme, oh non, je l'aime mieux quand tu fais telle affaire. Tu sais qu'une industrie va mal quand tu es obligé d'empêcher euh, des gens de... Ah! C'est bien dit, mais je comprends que si mettons j'ai un employé qui est bon dans quelque chose, je veux pas qu'il le faire ailleurs. Non. Pour pas perdre mes, mes Mettons l'Albier il envoie leur leur joueur dans jouer mettons, Mais c'est une exclusivité, Tom, c'est comme quand tu dis mettons ce 20 ans d'exclusivité à la SAQ. tu sais je veux dire. C'est ce principe là. Je comprends. Mais je, mais je comprends ton oh, point oh, aussi, oh, aussi oh, parce que ouais. des fois comme artiste, j'aimerais ça. Quand j'ai fait des trucs à la télé, de pouvoir les faire ailleurs ou tu sais mm -hmm. d'aller faire, ils ont ouais. dit non, on veut pas que tu sois sur une autre chaîne. Puis tu fais comme man, je comprends là que tu veux que ma face soit associée à toi, mais moi il faut que je gagne ma vie puis tu, tu me donnes juste 30 000 par année. Mm -hmm. Je peux pas vivre avec 30 000 par année. Ben oui, non, c'est pas ça que je dis, que je veux pas avoir un scandale de. Il n'y aura pas de scandale ici. Ici, c'est pas très scandaleux. Je m'en occupe. Parfait, merci. C'est quelque chose tu peut aller pour me battre je me fais ramasser. Peu importe ce que tu dis, je vais te dire de quoi de beaucoup plus grotesque et moins réfléchi. Merci, s'il te plaît. s'il ça plaît. est cool, Épuisé de me faire ramasser. Mais, ouais. Voici ce que je pense des Noirs. non, non Tabarnak ils travaillent bien. Ah. Et ils ont des bonnes valeurs familiales. C'est ça. <laughs> hein? Ah, mon Dieu. <laughs> bien joué. Ouais. Mais, euh, OK, donc, Faxi, on veut te suivre. Donc, tu vas être à la radio cet automne. Oui, je suis à la radio. Euh, pour un an, je suis assez quoi Parfait. Je retourne. Et je suis content trop. parce que je fais sur l'heure du midi, tu sais, j'ai fait le matin pendant des trop d'années. Oui. Peux-tu, s'il te plaît, oui. nous expliquer. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans, dans ton corps quand tu fais de la radio le matin Tu te lèves à quoi 3 h Je me lève à 3h30. Oui. Okay. J'ai eu un enfant en même temps. Moi, ça a tu été une très mauvais à choix la de carrière heure. pour le timing. Oui, je comprends. Parce que j'aimais ce que je faisais, ouais. mais le timing n'était pas bon. Ouais. J'ai accepté cette gigue là en me disant, « Hey, c'est parfait. » j'allais Je venais de finir une tournée qui s'appelait euh, « Ma première fois oui. » avec marc plutôt Dion puis tout, puis on, on venait de finir euh, trois ans de tournée où j'étais tanné de faire du spectacle. Mm -hmm. Parce que un moment donné, pour vrai... La tournée, c'était réinventé. Euh, oui, avec ouais. une famille. Tu, sais, tu ouais. pars et tu t'ennuies pendant quatre jours de tes enfants. puis Quand tu arrives... T'es fatigué. T'es fatigué, fait que t'es pas bon. Que, là, je m'étais dit, Hey, mais c'est parfait les soirs de semaine. J'étais curieux que ça soit Léa qui aille chercher toujours Xavier à la garderie euh, ou à l'école. Mm. Fait que je me suis dit, hey, là, là, papa va être là pour les souper. C'est moi qui vais les faire les souper. Puis le soir, c'est moi qui vais raconter des histoires. Puis je vais être là, puis ouais. je vais écrire dans le le jour. Bain, le dodo puis, ouais, je suis là. Et je m'étais dit Hey, ça va être parfait comme timing parce que tout le monde vient de me voir dans la salle, on vient de me vendre une chi de billets. Mm. Fait que si moi j'annonce mon one man show dans 6-7 mois. Et je vais revendre des billets. as ouais. un momentum. J'ai un ouais. momentum de salle. Pas un momentum ouais. de bar là, ouais, De, ouais. de, de grosse ouais. salle bonbon d'Albert ouais. Rousseau du Christ. Oui, oui, oui. Fait que je fais parfait. Et je donnais beaucoup de conférences dans ce temps-là pour plein d'affaires. Fait que je suis en conférence, ça fait big, mais je suis en conférence à Toronto, jet privé, tout c'était cœur, hein, me sentait tellement important. <laughs> Et je reçois un appel de mon gérant qui dit Hey, énergie de veulent comme Morning Man! Pendant quatre ans, man! Ouais. Dit, ah bon, on annonçait mon spectacle. Mais ben, Joe. Attends, penses-y, tu vois, le momentum des salles, plus on accepte de deux ans. Euh, Puis le chèque, on va le mentionner. Oui. Sans Et... dire le chiffre, c'est à la radio. Mm. Moi, j'étais à Radio de Radio-Canada à l'époque, comme chroniqueur à, euh, Catherine, à Perrin, euh, Catherine Perrin, c'était euh, médium-large. C'est vrai ouais. que c'est pas le même salaire. C'est pas les mêmes salaires. Vraiment pas. C'est pas ouais. les mêmes salaires. <laughs> Plusieurs zéros de différence. Oui. Plusieurs. Ouais. Et là, on te propose ça puis tu fais, waouh, attends une minute, une stabilité comme artiste du lundi au vendredi mm -hmm. à Montréal, pas besoin de quitter. Euh, avec ce salaire-là, bah, quelle stabilité. Je crée un beau fanbase qui ne me connaissent pas encore parce que tu sais, j'avais les, les gens du web, de la télé et des salles, mais j'ai pas les ouais. gens de radio. Je te disais, je vais placer un pion dans le monde de la radio, c'est très cool. Ok, deux ans, puis on sort mon show. Et là, une année se passe, je suis bien, une deuxième année. Et là, on me dit, c'est hey, une prolongation de contrat, on t'offre tant. Ah, tu as réussi à faire deux ans. ans? Je fais trois ans et demi. Non, mais je veux dire, moi je pensais à tort. Après trois mois, ton corps vire fou. Tu vires fou, mon gars. Mm. Les gens qui te disent, non, je suis correct, ce n'est pas vrai. <laughs> okay. Ils te mentent. Tu dis les gens de Radio, enfin, la radio Le Matin. Oui, moi je dis souvent possible. en blague, Paul Arcand, c'est le meilleur Morning Man parce qu'il il dit à ses auditeurs, je t'aboute, je suis fatigué. Mm. Tu le sens dans sa voix. <laughs> ah. yeah, oui. Quand ouais. il parle au ministre, il fait Hey, ministre. Oui, oui, alors... je... ouais, ouais, Puis je il, fait, il est fâché. Cette je ouais, je année, né, là. Je me suis levé à ah, 3h30 ouais, du matin. Réponds répond à mon asti de question, man. C'est pour ouais, ça qu'il ouais. rejoint autant les gens. Ouais. Et tu. Et, et fait bref, j'ai pensé à tard qu'aller le matin. C'était une, une, ouais. une bonne case c'est C'était une bonne idée. C'était une bonne case d'orage. J'allais avoir la journée avec les enfants après. Mais t'es juste complètement déréglé, genre. Oui. Ouais. Ouais. Ton système. Moi, la première année, top. Top shape. Fatigué, mais top shape mentalement. Et à un moment donné, là la fatigue moi j'écrivais un number par jour là. oui 1000 mots à écrire par jour je faisais ah, l'équivalent de number V1 tous les fucking jours ah, c'est ouais. fou si t'es mettons ok euh, les banques euh, les jokes Parce de banque t'as as, 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 as as deux, deux trucs fucked up t'as le, le la peur de la page blanche à chaque jour à chaque jour chaque jour tu peux pas tu, tu et es fou performance Tu performance ouais. t'as les deux faut que tu sois Parce bon que les deux sont horribles ouais. les deux ensemble j'ose même pas imaginer et là tu te mets à faire de l'anxiété ben oui. déjà que moi je suis anxieux Là après un an et demi, je fais le pas bien. Puis c'est live, tu peux dire quelque chose comme voici ce que je pense de tel sujet. Waouh, c'est en onde C'est tout pouls. le temps un terrain miné. Parce que tu le sais que tu es enregistré par des caméras, puis juste les micros, que tu fais une blague déplacée, que tu fais ah, je l'ai mal livré, c'est pas ça que je voulais dire, que là tu te retrouves les réseaux sociaux à faire détester. Fait que c'est pas juste l'humoriste en salle qui s'en va puis que personne filme, personne voit son show là. C'était tout le temps le spot on you. Ouais. Tout le temps. Et là, à un moment donné, j'ai juste craqué. Mm. J'ai dit à mes patrons, je suis plus capable. Ça fait trois ans, la bouche, j'suis fatigué, j'suis... je suis à bout, je suis fatigué. Quoi, tu te sentais C'était quoi les euh... Les symptômes ouais. Je me levais puis j'étais étourdi constamment comme si j'avais bu deux bières. Genre, genre burn out. Là. Pis je, 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 me, je continuais d'y aller parce que j'avais ma fierté. Je voulais que mes gars me voient comme papa, il est droit, papa, tu sais, la petite pression qu'on a du, du père qui ah. y va. Oh, ouais, qu tu peux aussi, le... on a des rôles... Nos héros, c'est les joueurs de hockey. Ouais. Weber, il, il jouait avec les mains cassées. Tu sais, c'est ça, <laughs> mm -hmm. ça. Je suis capable. Ouais, c'est ouais, vraiment. Ouais, il, ouais, il, ouais, il, est capable. il est capable. Oui, c'est vrai. On, ouais. Moi, je suis un gros fan de sport. Puis tu sais, pis comme toi aussi, tu vois des athlètes se démener. Fait que tu fais Ah, moi aussi, mais c'est mental à un moment donné. C'est brisé, mm -hmm. Chum. Mm -hmm. Les symptômes, ils vont pas se calmer. Ils vont empirer. Puis un matin, je m'en rappelle, j'étais dans la voiture. Là, ça me picotait du bout des doigts. Je moi j'étais fatigué. Je suis parti à pleurer. Je fais Man, je suis fatigué, là. Parce que là, pour ça, tu as les enfants à gérer aussi à la maison. Ah, mais oui. J'ai eu un bébé pendant que je suis à la radio le matin. Fait à un moment donné, tu veux... pis, Mon ex était tellement bonne. Je lui dois tellement à cette femme-là parce que elle s'occupait de l'enfant non-stop. Mm -hmm. Puis à un moment donné, quand tu la vois à bout, tu fais Ok, je vais m'en occuper cette nuit pis, elle Fait Joe, ça fait deux semaines c'est pas occupé du bébé là. Que, je, je le sais. Je sais, mais j'ai l'autre qui joue au hockey, je coach son équipe de hockey. Je, je me lève à trois heures et demie. Le monde qui ne travaille pas dans notre industrie ne peut pas comprendre ce que c'est que d'écrire mille mots par jour de joke. Genre... Alors, je veux ça. c'est trop de stress. Et fait que le soir, tu te couches, puis, dit, tu peux tu donner le biberon cette nuit, puis tu oui. fais, t'es Mais Joe, c'est ton enfant. Oui, je sais. Là, tu le fais à 2 heures le matin, et elle était parfaite. De manière, ok, je vais faire chambre à part, je vais dormir avec le bébé de l'autre côté, je vais te laisser dormir là. Toute ta vie devient la radio. Et ça, tous ceux qui ont fait un morning show peuvent comprendre que... Toute ta famille est cop, man. Tu deviens. Ah, mm. oh, faut pas réveiller. Papa, il fait une sieste. Il se lève donc à 3h30 le matin. Ah, oh, papa, donc... Fait que je suis devenu centre d'attention sans le vouloir. Mm -hmm. Avec une... Fait que je fais fuck that, man. Je suis plus capable de faire le matin. On me reproposait d'autres matins. On me dit, on te donne temps, Non, temps, non, tant, non. T'es tant, non. un beau fan base le matin. Hey, non, d'où? Mm -hmm. Tu comprends pas. La journée que je vais retourner, là, je le dis tout de suite, la journée que je vais retourner sur un morning show, c'est quand mes enfants n'habiteront plus dans la maison, mm -hmm. que je vais être rendu vieux. Puis que je pars une belle petite routine le restant de l'après-midi, puis de dormir, puis aller jouer au tennis, puis au golf. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ça va être ça. Ça ne pas, si vous un numéro du monde tous les jours. Là, je retourne à la radio avec un numéro par jour encore à écrire, une chronique, mais check moi bien, mon gars, trouver des concepts qui me demandent pas quatre heures d'écriture par jour. Mmh. Mmh. Ça va être, je donne une heure, j'ai un writer qui m'aide à puncher, show bye. Puis je l'ai dit à la radio, moi, je me mets plus jamais la pression d'écrire une définition. Humoristique tous les jours. T'as un livre? J'ai deux livres avec es que ça. <laughs> Maintenant, On les a mis en livre puis on a fait. Le, notre notre éditeur dit Il y a trop de pages hey, C'est la moitié des chroniques que j'ai. J'ai pris 450 <laughs> chroniques, 450 numéros d'humour. Et là, moi, tu m'as wow. dit comme ça m'insultait quand je parlais avec des amis Maurice et me disait Ouais, mais tu n'as plus vraiment d'humour. Hein? <laughs> je sais pas qui disait ça. Mais. Oh, des amis Maurice que je vais taire. Oh que... non, t'es pas, Non, non, <laughs> non! Okay. Non, off micro, je t'ai dit. dirigé. Demoxidine à une table, fait Hey Chum, tu roules le même 7 minutes depuis un an dans les bars là. Ouais. Oh oui. Je... Puis tu, tu me dis que je ne fais pas d'humour. Oui, mais tu fais plus de scène, tu n'es pas vraiment humoriste. Pardon? J'écris un numéro d'humour par jour. Et je le livre? Et je le livre tous ouais. les matins, ouais. filmé, qu'ils mettent sur Internet. Ah, moi, je... moi tu sais. Tabarnak. Moi, hier, je en show. J'ai dû péter. Tu sais pas. Tu ne tu sais pas. Tu ne sauras jamais. Non, non, non. la radio, on, tu peux aller voir. C'est une pression. Euh... Oui. Puis ouais. on voit plus te planter que réussir. Il ouais, y a ouais, personne ouais, ouais, ouais. qui veut voir les quatre fois dans la semaine où tu as tout carré. Et là, le vendredi, tu l'as moins bien livré. Puis tu fais, ah si, ma définition est du Toys R Us, c'était pas drôle, man. J'avais deux killers que j'ai pas réussi à rentrer. Puis là, le monde fait, ouais, ça commence à s'essouffler tes affaires. C'est pas ordinaire. Fait un an que tu fais, mais tu fais juste à faire sur Internet. Uh... Ou t'as la messagerie texte souvent devant toi, là. Oh, « Oh, mon Dieu! Que c'est pas... pas » fait, fait que tu pas lis tes jokes, ce... là. « Ah oh, non, pis y'a du monde en temps réel qui est ordinaire, Kevin, celui-là. » Kevin de Fondu, là. « Oui! <laughs> » Lui, il trouve ça... Il a <laughs> envie de te le dire à une lumière. « Lâche ton crisse de sel, pis texte-moi pas, là. » De faire <laughs> « <"Hey, rire> vraiment mauvais <laughs> à matin, man. On baille dans le char, moi pis boys. <laughs> »« Hey, va faire couler ton osticissement pis crisse-moi <laughs> <aux> pas, <patients, man. rire> Really, man? <laughs> » Et je exactement il là. y avait 24 blagues dans ça, puis il y en a deux que t'as pas aimé, man. Oh là là. 24 jokes avec trois writers cernés qui font juste ça à longueur journée. Va chier. <laughs> ah, je comprends tout à fait. Mais ben, je peux pas dire va chier pendant que je suis contrat, là. Bien sûr, comprends. bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je trouve ça Je sais pas pourquoi ils vous infligent de voir en temps réel du monde qui texte. Ben, il nous l'inflige pas. T'as le droit de fermer l'écran si tu veux. Mm. Totalement. Mais il est là, mais il est... mmh. fait ouais, comprendre. Moi, moi, je connais des amis humoristes qui, le, qui, avant de commencer leur truc, le fermaient puis l'ouvraient 10, 15 minutes après pour que les messages aient le temps de passer pour pas le voir. Ouais, 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 Et seulement, je me suis mis à le faire, je fais ça vraiment brillant Brillant de pas se, sopo, de pas se mettre cette toxicité-là d'en face. En temps réel. Tu plus... comme aujourd'hui, je sais que, mettons, pendant que je suis ici, là, ça va prendre du temps à qu'il sorte l'épisode, ouais. mais aujourd'hui, moi, je suis en ce moment un ennemi sur Internet. Mm -hmm. Je me fais blaster aujourd'hui. Mm -hmm. Et je suis rendu au point que je trouve ça drôle. Mm -hmm. De faire, Ah oh, ouais, un autre, ah, ok. Puis tu penses que t'es la première personne qui screenshot mes affaires. Mm -hmm. J'ai fait contre de gars, t'avais 12 ans, man. Mm -hmm. Ok? Mm. <laughs> Sais-tu quand un contre de gars m'en a fait manger de la merde? Tu mm. veux? Mm. T'as C'est deux gars un peu misogynes qui crient. Mm. nous, on riait de la masculinité toxique. Bien sûr. Mm. Je te garantis, Thomas, c'est pas tout le monde qui a qu'on faisait ça, là. Fait que là, tu fais, bah, oh, all right, man. Ouais. Ben c'est vrai qu'à un c'est que à la quantité, ça devient absurde. Ah ouais, moi, je, je trouve ouais. ça drôle. Ah, Ce mais... que je retiens, c'est que si es d'accord... Avec... Moi, le plus difficile, c'est quand on me souligne des choses vraies, avec lesquelles je suis pas d'accord avec moi-même. Ouais. exemple, euh, ah, t'as euh, Tu coupais beaucoup la parole, puis je suis d'accord. Dans mm -hmm. cet épisode-là, je coupais vraiment la parole. Ça, je vais être fou. Ouais. Parce qu'ils ont raison. Mm -hmm. là, je fais quoi? Mm -hmm. Mm -hmm. Je me sens... Comme si on t'avait on trouvé tout nul, genre comme tu fais comme. Oh, t'es un petit peu. T'es en train de avec la fontaine. Avec vrai C'est ça. <laughs> tu fais ça. Voilà. Mais, mais la différence, c'est que je suis, je, quand je suis d'accord, je suis comme. Ah ouais, ça me dérange ouais. pas. Ce qui me dérange pas, c'est quand on dit des choses comme. Tu es une grande lesbienne. Je fais OK. Ouais, ouais c'est <laughs> ça. OK. <laughs> mais une année j'en parlais à ma psy. Où il n'est pas drôle, mais ça, c'est subjectif. Ça t'appartient de ne pas me trouver drôle. Ça, me faire dire je pas drôle, je suis comme. Ah ouais, c'est pour ça que ça va être très Soit j'ai gagné tous ces oliviers, c'est pour ça que je travaille dans l'industrie, c'est pour ça que j'ai un fanbase. Ça doit être parce que je suis pas drôle, man. Oh, moi, moi j'ai une autre réaction. Je suis pas drôle. Soit bloque moi. Ben oui, c'est ça. C'est grand. T as, t as il y a des gens qui me à... trouvent drôle, mec. T'as une vue à vivre. Ouais. Pourquoi tu, tu m'endures si je te, tu me trouves ouais. pas drôle Si ouais. tu vas sais, sur YouTube, tu abonne toi. Moi c'est l'inverse. bloque moi. Ouais, ouais. Bloc moi. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je l'ai tellement. Tu sais, j'en ai parlé à ma psy il y a peut-être deux ans. Tu m'as dit, t'es dans le groove. Oh, tu réalises ça fait une demi-heure. Tu te dis le là-dessus, puis t'arrêtes plus. Mm. Puis ouais, mais le gars, il, est, il dit que je suis misogyne, je suis pas misogyne, il a fait, ok, en quoi ça t'appartient ce qu'il pense de toi? Mm -hmm. fait, mais si je gagne ma vie avec ce... Non, non, non tu gagnes pas que ta vie avec ce qu'il pense. Non, mm -hmm. non, non. Ce non. que ce gars-là pense, là. C'est ça. Ouais, tu ouais. gagnes ta vie. Je dis, ouais mais si euh, je rentre moi, dans un restaurant et je crie, Hey, euh, votre spaghetti il n'est pas bon, ici Ok, le chef va faire quoi, man? Mm » -hmm. Il va dire, Bonjour. Parfait, mangez-en pas, puis des mm -hmm. mm -hmm. Puis ceux qui aiment ça, vont continuer à en manger. Mm -hmm. Ceux qui pensent qu'ils n'allait qu pas aimer ça parce qu'il est pas bon, dans le suis ça leur appartient. j'ai fait, hey t'as raison. Ça te blesse parce que tu sais qu'il y a raison. Pourquoi ça me blesserait si je sais que je suis pas misogyne ou raciste mm -hmm. ou une blague-là n'était pas drôle que tu fais Moi, cette blague-là, je la trouve très drôle. Je la trouve pas raciste. Je la trouve pas misogyne. Je la trouve pas sexiste. Je la trouve pas. Elle ne l'est pas. Non. Bon, ça t'appartient. Ça te dérange, man. Mm -hmm. Après ça, ça a été fiston. 104 épisodes à manger de la marde. Pour vrai ben oui. Mais je trouve ça curieux parce que. Mm. un. T as, t as, t as... Eh non, on réécoute les épisodes. Il y avait des gags euh... <rire> 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 que je suis pas fier aujourd'hui. Ouais, non, bon, On s'amuse, puis c'est quand même. c'est sur Internet. C'est pas non plus du. Euh... c'était pas un pamphlet, là. Non. C'était de la... de la comédie. Ouais, de la, mais les gens ne le comprenaient pas. Moi j'ai déjà eu un appel à la DPJ. C'était pas à toi que je l'avais raconté? Non. Oh, Dieu. Ouais, euh, oui, ah, ben, oui, oui, oui. J'ai déjà eu un appel, mais disait, faut qu'on fasse un suivi avec vous. Quelqu'un nous a envoyé des vidéos de vous sur Internet qui donne des conseils douteux Hey! 2012. Oh 2012, oh bien, merci de faire ton suivi, j'apprécie énormément la personne, je sais que c'est ridicule, c'est juste la peinture a été faite donc j'ai pas le choix de de donner suite. C'est excellent, tu vas donner suite puis on va raccrocher. Wow. tu sais que c'est un personnage un peu cave que je fais. wow il wow, y a un générique, On est ouais. plusieurs à il y a une y a y réalisation y a des gags, une mise ben en scène. Ça, Ouais, ouais, ouais. Waouh! Wow. On est pas loin de. de, de hey, euh, on va sauver la petite horreur. Ouais, ouais, on ouais la nourriture à Radio-Canada. Ouais, c'était ouais. la fin, là. Non, mais c'est fou, c'est fucked up. Ah ouais, je comprends. Fait que là, c'est pour ça que mm. la radio, pourquoi que j'aime ça autant en ce moment, c'est que j'ai pas à dealer avec ça. Parce que l'Internet, c'est fini, j'en fais plus de série. De... Là, tu vois, j'ai fait lunettes roses, j'en fais plus après, man. Mm. Je suis tanné des gens sur Internet, c'est comme. Je m'en vais dans une salle faire mon spectacle, c'est ça. Donc ultimement après ça, tu veux partir en tournée. Oui, ça fait cinq ans. Je veux uh -huh. <laughs> la vie, la vie, vie Retarde. Comme non, Mais on va t'offrir beaucoup d'argent de la radio. Ah oui, puis je vais vendre plus de billets après. Ok, je vais. Ah, je vais lancer mon show. Ah, mon fils va avoir le cancer. <laughs> Fuck. Ah, mon fils. guérit ah, mon fils. <laughs> mon fils guéri. Parfait. All right, je peux partir en tournée. Je fais même pas six mois de rodage. Ton fils a une récidive. J'en avais. Ah. Ça, Carlis, ça repousser toutes mes shows. tabarnak Ah, une pandémie mondiale. Une, pandémie... une fois par siècle. Ouais. J'ai une pandémie là-dedans. Un tu fais ce spectacle là. Est, ça doit faire honnêtement dix fois, je l'aurais écrit. Oui, parce que Mané, ouais, c'est ça. <laughs> J'ai des gars qui sont plus Ma vie change, ma vie aussi. change. J'avais un numéro sur le cancer de XA. Ben là, il y a une récidive. Chris, on va pas finir ça aussi bien que la dernière fois. C'est comme, OK, il faut qu'on. Ouais. Tu sais. Ou je roast le neurochirurgien. Je l'avertis, par exemple. Oui. Je te détruis sur scène. <laughs> tu as sauvé ma, la vie de mon fils, mais moi, ce que je retiens, c'est que t'es fucking beau, puis je le prends pas. <laughs> ah En plus de sauver la vie. Mais tu comprends pas. <laughs> Googlez Alexander Vell, c'est lui qui a sauvé la vie de mon fils. C'est là Deux fois. Man, beau, beau, beau. Genre, je le trouve sexe. <laughs> genre, il va pas au club échangiste. Non, il va pas au club échangiste. Lui. Non, je non, non. Bras. Non, ouais, non ouais, c'est ouais. vraiment un bel homme. Là. Il ressemble à un, <laughs> un barista du Myland. »« Tu sais, puis look professionnel, neurochirurgien. Fucking chaud, le gars. T'sais. Fait que, moi, je suis là, puis de je me disais, ok, euh, faudrait que je prenne ce qui a été négatif dans ma vie, genre le cancer de puis j'en fasse un numéro, puis que j'extériorise ce que je ressens là-dedans l'angle, ça va être que je fucking roast le neurochirurgien qui a sauvé la vie de mon gars. Ouais. Qui est parfait. Il est parfait, le talent. Il est neurochirurgien. <laughs> à vous, là. Ah non, mais regarde, moi, je vais aller... Je présentes à ta mère moi un neurochirurgien. C'est ça. C'est Google en est est estime. <laughs> Hé, hey, on doit quitter, malheureusement, ben oui. le studio parce que ça parce fait, que ça fait ça un fait petit moment qu'on est ici. Mais merci tellement pour tes nombreux partages aujourd'hui. La hey, là, pour vrai, s'il vous plaît, OK? <laughs> un gros bon show. On ne quote pas que j'ai fait squirter une madame on dans un cul, s'il te plaît. <laughs> Elle n'avait jamais squirté de sa vie, puis j'y réussi à y montrer. Son, son oui. bouton, il était où oui. okay, On fait pas ça. On le montre à personne, sauf vos. vos... Bah ben oui. Okay. <laughs> Ceux qui vont se rendre jusque-là dans l'écoute aussi, c'est plus à la fin de l'épisode. Ben, hein? oui. C'est comme un goodies de fin d'épisode. Si t'as fait jusque-là, t'as l'histoire de. On ne le mettra même pas, ma... pas dans la série de trucs qu'on dit. On a parlé de ça, 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 ouais. Merci. C'est secret. Parfait. T'en fais pas. Fait qu'on t'écoute à la radio. Tellement. On souhaite te voir en spectacle. Et un jour! On croise un le Real ou un club échangiste. Vous... Cl... <laughs> on... okay, -Claro <laughs> merci, bon? Joe. Merci à vous, à vous autres. <laughs> on, va, on va vous inviter à jouer au jeu de société. Ah oui! Oui, <laughs> ah, ah, oui. Moi et mon ami. Oui. 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 Mon ami que vous connaissez, on ira jouer chez vous. Ça Avec plaisir. <laughs> Salut. Ciao.